Bonsoir, bonsoir YouTube. C'est le moment, le grand moment tant attendu. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus sur cette chaîne, installez-vous confortablement. J'espère que vous n'avez pas peur des jeux d'horreur, des démons en tout genre et des entités démoniaques, puisque c'est ce qu'on va avoir au menu ce soir. Chose promise, chose due, je tiens toujours mes promesses, même si je sens que je vais prendre très cher. Bon, The Mortuary Assistant avec Darkstone Digital aux commandes. Et clairement, ils ont mis la barre très très haute. Il y a eu quelques petites mises à jour depuis. Et en plus, je me suis permis d'augmenter voilà, le degré d'énervement des apparitions démoniaques. Histoire de... Salut ma belle, salut Akasha, j'espère que tu vas bien. On accueille notre chère Akasha, notre reine de la modération Twitch, mais pas que. Notre petite maman du GameStream Heroes également, aussi, ma belle. Hein. Des gros bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Bisous à Chapedia, bisous à monsieur, bisous aux enfants. Bon, je te préviens tout de suite, le live est sponsorisé par Audika. C'est faux, c'est faux. J'ai tellement peur. Ah là là, bah voilà, voilà. Hein. Ah, je m'en doutais. Je m'en doutais. Évidemment, on fait un jeu qui fait peur. Hein, vous l'attendez. Hein, et qui c'est qui débarque? Ma petite Nat. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Bon Nat, clairement, hein, c'est celle qui me pousse littéralement dans les flammes. Hein, voilà, je suis prête à voir ça. Vous êtes les pires. Vous êtes les pires, vous êtes les pires. Je vais mettre mon petit casque, voilà. On va se mettre dans l'ambiance. On va se mettre dans l'ambiance puisque la musique du jeu est terrifiante. Allez, et ça déboule, et ça déboule. Voilà. La musique est terrifiante. Notre ami Sagittaire vient de faire son apparition. Salut, j'espère que tu vas bien Sagittaire. Bon, bah clairement, hein, vous êtes là pour ça. Je suis occupé, mais je regarde du coin de l'œil. Ah, Kacha, tu me tues. Tu me tues. Donc, on va évidemment, vous l'aurez compris, se lancer dans The Mortuary Assistant. Un jeu qui propose eh bien, une aventure un peu particulière. Vous êtes une employée hein, récemment et fraîchement embauchée dans un coroner et il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Tu as préparé une couche? J'ai directement mis un bouchon dans mon fiac. Je suis pas serein. Je vous le dis tout de suite, je suis clairement pas serein. On va se mettre, comme vous pouvez voir, dans une petite ambiance un peu rouge, hein, voilà, histoire de. Je vais peut-être même éteindre la lumière qui est là. Alors voyons voir. Hop. Et je vais me chier dessus. J'adore les films d'horreur, j'adore ça. Je suis un grand consommateur de films d'horreur, mais aucun film d'horreur n'arrive à me faire peur. Mais les jeux vidéo, c'est pas pareil, parce qu'on vit l'instant présent, et en plus, j'ai fait tout pour éviter de me spoiler le jeu. D'après ce que j'ai pu lire, ils ont mis la barre très très haut, vraiment. Ça serait cool avec un détecteur de battement de cœur. Il y a des gamers qui font ça avec des jeux d'horreur. Alors, c'est prévu d'avoir une montre connectée qui affiche mon BPM en temps réel. Ça sera pour bientôt, c'est promis. Puisque, vous le savez maintenant, le samedi, dorénavant, ce sera The Indica, non, je dis de la merde, ce sera le spécial Horror Show Indica Game, c'est le Indica Show, c'est sur Twitch. Donc c'est un jeu indépendant et, et on va prendre cher. On va prendre cher, enfin je vais prendre cher. Et vous allez vous marrer. Voilà, voilà. Mais effectivement, oui, Sagittaire, Kathleen, donc doit m'envoyer eh bien, une montre connectée pour que je puisse afficher mon BPM sur les prochains lives. Alors, on lui fait un gros bisou, voilà, hein, parce qu'elle ne pourra pas être là ce soir, mais elle essaiera de passer faire un petit coucou. Donc forcément, ça va être chaud. Ça, franchement, je vous le dis, je remets la lumière là, voilà. Je remets la lumière là maintenant, hein, on la coupera. Voilà, on la coupera après. Je fais pas le malin. Je fais vraiment pas le malin. J'ai vu des vidéos de gameplay de ce jeu, ça promet des frissons. Merci de me rassurer. Merci, merci de me rassurer. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Hein, mais bon, je vais pas avoir le choix. Quand je fais des promesses, je fais en sorte de les tenir. Je bois mon café tranquille avec vous, parce que je pense que c'est une très mauvaise idée de boire mon café en même temps que je vais faire le jeu. J'ai pas envie de me foutre la tasse en pleine tronche et de m'ébouillanter. Donc, hein, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la musique du jeu, là? Ça fait très The Exorcist. Donc, on a un jeu qui est très joli visuellement. Pour l'instant, je n'affiche pas encore la scène de jeu. Mais visuellement, le jeu est très joli. Alors, peut-être que je serai obligé de faire quelques petits réglages. Pour l'instant, de base, le jeu est en ultra. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Il fait froid d'un coup. Non, c'est bon, Sagittaire, ça suffit. Non, tu commences pas. Tu commences pas. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. En plus, il fait froid et chez moi, il pleut et il y a de l'orage au loin. Genre, tu sais, les éléments qui viennent se combiner, histoire de dire, hey. Tu vas prendre cher ce soir, mon lapin. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à partager le live. Voilà, hein, aux gens que vous connaissez, qui aiment les jeux d'horreur, qui aiment rigoler. Et puisque je pense qu'on va bien se marrer. Je pense qu'on va bien se marrer. Enfin, ça dépend pour qui. Mais je vous avoue que, d'un certain côté, j'ai une réelle angoisse de faire ce jeu. Ça met dans le ton la musique, ouais, clairement Nat, clairement. J'ai une réelle angoisse de faire ce jeu, et d'un autre côté, y a quand même une curiosité, alors peut-être un petit peu malsaine, mais comme je le disais, vous êtes une personne qui travaille donc dans les pompes funèbres, et votre travail c'est de préparer donc les cadavres. Il a bougé le cadavre, j'ai halluciné. non, mais ça risque d'arriver. Et petite fun fact comme ça, quand j'étais en Charente-Maritime, quand j'étais à Royan plus précisément, je connaissais une demoiselle qui travaillait aux pompes funèbres. Et c'est un métier très particulier. C'est un métier très particulier. Alors forcément, c'est un métier qui demande le respect, puisque il prépare les défunts. Pour que vous puissiez, hein, le jour de deuil, eh bien, avoir la personne donc, qui vous a quitté présentable. Et c'est un travail vraiment très, très particulier, mais mon Dieu que je respecte ces gens-là. Ah là là, le voilà, le seul, le vrai unique, Outsiders, évidemment. Comment ça va, mon bro? J'espère que tu vas bien. Toi aussi, tu viens prendre ta tranche de rire, hein. Je sens que ça va se payer ma gueule dans le chat. Bon, c'est pas le tout, mais il y a un moment, on a signé, c'est pour en chier. Alors, il n'y a pas de raison à ce que il n'y ait que moi qui trinque, puisque on va laisser le son à un certain volume pour que vous aussi vous en preniez plein la tronche. Voilà, on partage, on fait du 60-40, ça vous va? 60-40, je prends 60, vous prenez 40, c'est cadeau. Putain, je vais les regretter. Putain. Je finis mon petit café tranquillou, hein, un petit peu comme notre camarade Dioplay avant les lives. Un gros bisou à toi, mon Dioplay, parce que toi, je sais que tu as fait le jeu, que tu as eu 3 fins différentes. Il existe une multitude de fins à ce jeu, selon ce que vous allez faire, selon comment vous allez vous comporter, comment vous allez réussir vos objectifs. Les fins peuvent être diverses et variées. Allez, tiens, saute. ouais, il va falloir y aller. Hein. Il va falloir y aller de toute façon. Du coup, est-ce que vous voulez que j'éteigne la petite lumière? et on se met dans l'ambiance. On fait ça? Allez, vous êtes 7 ce soir sur le live? Allez, c'est vous qui décidez de mon sort. Est-ce qu'on se met dans l'ambiance? Est-ce qu'on coupe la lumière, le petit retour lumière? Il y a 6 fins différentes, d'accord. Eh ben, je sais pas combien on va en faire. On va voir, hein, je sais pas hein, si on va réussir à finir le jeu. Mais si on arrive au moins à aller au bout, ce sera pas mal. Ah. T'es la pire! T'es la pire parce que tu regardes le live de loin, mais tu m'écoutes. Et là, direct, t'arrives. Oui, oui, il tient dans le noir. Non, mais coupe la lumière. Non, non, tu coupes la lumière, tu te mets dans le noir. Ah putain, cacha. Voilà. In the dark. Mm. Alone. Alone in the dark. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je vais peut-être enlever le chat, hein, quand même, que vous puissiez profiter. Hop, voilà, de l'écran de jeu. Hop là, voilà. J'ai réduit un petit peu la caméra pour que vraiment vous puissiez profiter de l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites options plutôt sympathiques. Et ce que j'ai fait également, c'est que dans les paramètres de jeu, vous avez l'agressivité du système d'antise. Normalement, à la base, il est là. On va le mettre là. Histoire de voir. Histoire de voir. Je suis tellement pas serein. Et il y a Nami qui saute sur le bureau et hop, jumpscare. Non mais Nami a fait ça, elle se prend une droite direct. je cherche même pas, hein, ça y est. Voilà. Bon. Je m'exécute. On se met dans l'ambiance. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous l'avez réclamé, vous l'avez souhaité. Eh bien, on va se lancer. Alors, je vais enlever la petite webcam le temps de l'intro. Je pense qu'il y a une intro. Allez. C'est parti. Maman. Moi, j'ai fait le jeu. Je vous laisse lire. Hein. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. Oh, elle est très sexy. Tout à fait mon style de femme. You haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need, but my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No, I'm not moving. He's actually located around here. Riverfields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma, even I've heard things about that place. I'd just be worried about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. All right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. Non mais sérieusement. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Bah, ça commence bien. Ça commence bien. Tu sais, au lieu de t'offrir un doudou, un truc sympa, non, non. On t'offre un médaillon avec une croix dessus. Riverfields Mortuary. Moi j'ai fait le jeu, je sais à quoi m'attendre, mais pas Ika. C'est malin ça, bravo, bravo Akasha. Ça va bientôt être moins sexy. Alright, here we go. Right now! Here we go, bitch! Ok, on remet la cam. Allez, hop. Voilà. Le jeu est fluide. Le jeu est très joli. Ah bah voilà, un petit café. C'est ça qu'il me faut. Ah. La cafetière est possédée. D'accord. Qu'est-ce que... D'accord, du café. Alors je vais augmenter un petit peu le DPI de ma souris. Voilà. Hop. C'est pas ouf. Voilà, c'est mieux. Je vais peut-être même aller dans les réglages pour que ça soit peut-être un peu plus speed. Tac, 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 tac. Hop. Sensibilité caméra. Hop. Voilà. C'est peut-être un petit peu trop là, c'est pas grave. Voilà, là c'est bien. Là c'est bien. Bon bah on s'en va. Oh Stéphanie, comment ça va ma belle? On accueille Stéphanie. Bonsoir ma petite Steph, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Toi, t'as vu que je faisais un jeu d'horreur, tu t'es dit, allez, vas-y, on va aller voir Ika crier. Bon, on s'est mis dans l'ambiance, hein. On s'est mis dans l'ambiance. Le chat m'a mis littéralement un pied-bouche. Je leur ai dit, on éteint la lumière. Je dis, éteins la lumière, vas-y, dépêche-toi. Si la cafetière est possédée, c'est un signe. Arrête le café, Ika. Y a personne? Ouh. Personne? Oula, 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 oula. Alors, déjà, on visite un peu, hein, tranquille. Il y a des bonbons. Il y a des bonbons. C'est... Non, bah, on est tellement doué qu'on va foutre le truc par terre. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Ok. Quoi ça? D'accord, c'est le compteur. Je vois pas pourquoi on... Oh, on est... C'est nous. Oh, on a une espèce de paire de... Ah, très important. Oh, bah voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le BG du game vient d'arriver. Comment ça va, mon Yoplait? Hello, mon petit Ika. Ça y est, tu te lances enfin. Bon courage et bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toi, mon Yoplait. Oui, voilà, je me lance, on se met dans l'ambiance. Je sens que je vais regretter le fait de leur avoir proposé ce jeu. D'accord, donc... On peut éteindre la lumière? Non, bon, ok. Il y a personne pour nous accueillir. D'accord. Il y a un crucifisme. On peut pas... Putain, on peut pas le prendre. Ok. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Rien que le cadre, il est terrifiant. Madame, faut ouvrir les yeux sur la photo. Ou alors c'est parce que tes yeux ils sont à moitié bizarres là. Ah puis il y a un crucifix juste au-dessus, c'est... D'accord, on a le... Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Très bien, c'est vide. C'est vide. C'est vide, il n'y a même pas un gun. Est-ce qu'on peut prendre la graffeuse pour agrafer l'esprit? Non. Ok, c'est le bureau le plus vide de tout l'univers. Un stylo. Crayon permet de signer les papiers restant sur la porte. D'accord. Inventaire. Alors, accès rapide à l'inventaire. Rapide et choisissez l'objet que vous souhaitez utiliser dans la plupart des cas, mais pas tous. L'icône d'utilisation d'objets apparaîtra aux endroits où vous pouvez utiliser des objets. D'accord. Ok. Alors, X. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, on a des dossiers. Ah. On ne peut pas tous les prendre. Par rapport, on peut en prendre un ou deux. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Rebecca, il y a une dernière sauce que j'ai oublié de te donner. Prends un crayon sur mon bureau. Signe merci. Oui, PS, bon courage. Même le jeu commence à se foutre de ta gueule direct. Petite semaine de vacances qui se termine. Et ça va nickel, j'espère que tout le monde va bien aussi. Bah écoute, je serai en vacances à partir du 10, une petite semaine. Mais ça va faire du bien aussi, ça va faire du bien aussi, parce que ça a été très compliqué ces deux dernières semaines. Ok. Crayon. Quelque chose m'échappe. Ok, d'accord, ouais. I'm missing something. Ouais. Ok, d'accord. Peut-être un truc à signer sur le bureau. Ouais. D'accord. Ok. On a signé un truc. Ah! Ouais. Et sinon, ah. Allez, salut. On peut pas sortir. On peut pas sortir. Oh putain. C'est pas écrit. Le crayon est sur le bureau. On a à peine ouvert la porte. L'ambiance a changé. Instantanément. Donc on découvre les lieux. Ah. Bon déjà on peut ouvrir les fenêtres. Voilà. On peut sortir? Non. On peut pas passer par les fenêtres. Moi j'ouvre toutes les fenêtres. Ah. Bon bah les filles c'est pas Brad Pitt. Oh putain. Salut Stéphane. J'espère que tu vas bien. On accueille Stéphane. Mesdames, mesdemoiselles. Le seul, le vrai, l'unique, notre Stéphane Allard, notre spécialiste Fallout. Ah putain de merde, mais c'est pas possible. Connard, pardon. Espèce de connard, pardon. Ça va pas te parler aussi fort. Déplacez les cadavres, servez-vous du brancard en vous tenant derrière et en appuyant sur la touche d'interaction, puis reculez avec le brancard. Ok. Et sinon, bonjour, ça va, tranquille, la vie est belle. Hein? Tu t'amuses bien? Tu joues à quoi? Tu joues... Monsieur, ton ordinateur est bloqué. Monsieur! Monsieur! Ton ordinateur! Qu'est-ce que... C'est quoi ça? Monsieur? Monsieur, c'est quoi ce meuble? Putain, merde, le mec, il a... il a un PC, je crois que c'est au moins Windows 7. Oh, putain. Mrs. Page, please. Oui? Oui, oui. oui, 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 oui. Oui, c'est moi. Oui, bon, bah ça va, j'y vais. Je peux... Pourquoi ton bureau est fermé, monsieur, à clé? Un mug? Non. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, tu veux pas qu'on touche à tes affaires. Monsieur, j'espère que tes trucs ils sont stérilisés parce que c'est dégueulasse ce que tu fais. Tu fous des trucs comme ça au pif quoi. Ok, je visite hein, machin. Hein. D'accord. Fasti. C'est fastidieux. Ah putain mais bah c'est bon, je visite les lieux. Bon, ça va machin. T'as pas beaucoup mangé à la cantine, toi. Hein, hein. Bon, désolé les filles, c'est pas Brad Pitt. Hein. Ok. Ah. Ouh, 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 ouh. Et je l'emmène où? Allez où là? On peut pas regarder où on va? Parce que bon là, je sais pas trop où je vais. Hein. Tu m'excuses, hein, machin, hein, on fait un petit tour. Hein. Ok, hop. Allez, je t'emmène sur le parking. Ah, ah là 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 là. Ah, c'est là-bas? D'accord. Et on est obligé d'y aller en marche arrière. Vraiment. Déjà la voix de ton boss fait flipper, t'es pas prêt? Bah oui, clairement. Hein quoi? Chambre froide, pour amener ou sortir un corps de la chambre froide, ouvrez le compartiment avec le nom du corps et tirez sur le support du chariot dessus, d'accord. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. Ok. Hein. J'aime pas beaucoup l'endroit, c'est quoi ça? Une porte qu'on peut pas ouvrir, évidemment. Bon, Jean-Eudes. On va t'appeler Jean-Eudes. Hein, d'accord? Je sais pas comment tu t'appelles. Oswald Dalton. Dalton. Ok. D'accord. Faut mettre le monsieur là. Et on peut... Non? Non, faut le mettre dans l'autre sens. Ah! Ah bah voilà, il y a un four à pizza. Il y a un four à pizza. Si déjà la voix de ton boss te fait flipper, bah, merci de me rassurer, Yoplait. Bah, vraiment, vraiment. Hein, Allez, eh machin, allez. Allez, Bill, oh. Allez hop. Allez. Allez, bonne nuit. Hein. À la prochaine. Ferme la porte. Allez, voilà, bisous. Voilà. Allez, bonne nuit, Oswald. Hein. Par contre, la sensibilité de la souris, c'est un peu particulier quand même. Il va falloir que je fasse peut-être un petit réglage ou deux là, parce que... hop. Bon, déjà, le DPI, là, c'est pas ouf. Là. Voilà, c'est mieux là. C'est mieux. Voilà. Commande. Ok. Tac, 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 tac. Expecting, c'est quoi ça? Prendre, interagir, machin, gna gna gna. Ok. On va faire. Utiliser objet, inspecter objet, examiner objet, utiliser, interaction générale, prendre objet, ramasser objet. Il n'y a pas claquer la gueule, non? Parce que bon. Voilà. J'aime beaucoup le menu qui s'affiche comme ça un peu bizarrement. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Docteur? Enfin, monsieur? 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 Oh! Monsieur? Monsieur? Ça y est, ça y est. Oh! Monsieur? Monsieur. Ça y est, hein. Et du coup? C'est tout? La journée est finie? Je peux débaucher? Bon bah j'ébauche alors. Hein, tu veux pas que je débauche? C'est possible de fermer cette porte là? Hop, non, tu veux pas que non, tu veux pas. D'accord. Je peux fermer et ouvrir cette porte, mais par contre celle-là, non, je peux pas. D'accord. Du coup, je fais quoi? Il y a un papier à signer? Non, 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 même pas. Est-ce que je peux rester ici pour faire mon boulot? Monsieur, s'il vous plaît. Et ensuite, monsieur, voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il y a machin, il fait dodo. Oh. D'accord. Il est pas très causant, lui, hein. Bon. On le fourre un croque, monsieur. Monsieur? Monsieur? Mais fais pas semblant d'écrire, ça fait 10 minutes déjà, là, que tu griffouilles ton machin, là. Donne-moi un truc à faire, monsieur. Non, tu veux pas? Ok. Peut-être un truc à signer, non? Faut qu'à chaque fois je prenne un crayon, c'est comment ça se passe? Putain, mais t'as tout fermé, mais t'es psychorigide ou quoi, monsieur? Oh là, biohazard, ok. Mm. Ah! Il y a un truc qui brille, non? Non? D'accord. Et sinon, qu'est-ce que c'est ça? Ok, ok, d'accord. Ouais. Ouais. Toujours pas? Non? Bon. Ah, tu veux peut-être que je ferme la porte? Ah, tu voulais peut-être que je ferme la porte? Ah, d'accord. Ah, attends. Oswald! Ton pote là, il... Enfin voilà quoi. Ok, y'a personne. Ah non. 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 Ah c'est... Ah d'accord, tu veux que je ramène un... D'accord, ça doit être ça. T'as bien fermé la porte du caisson? Oui, oui, oui. J'ai toujours pas signé. Si, j'ai signé le document sur le bureau. Hein. Mais je pense, à mon avis, qu'il veut que je ramène... parce qu'il y a des noms. Là, on a Oswald hein, qui fait dodo. Et là, on a Dorothy Page. Dorothy Page? Attends, Page, c'est pas notre nom de famille? Tu vas décongeler la pièce et si tu fermes pas les portes, ça risque de sentir le fennec au bout d'un moment. Non mais je pense en fait il veut que je lui ramène mamie. Je crois. Hein. Viens là toi. Allez. Je vais chercher mamie. Hein. Je reviens. Hein? Parce que bon, je vois qu'il a pas l'impression qu'il a envie de. Hein. Alors. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Allez mamie. Mamie? Mamie? Bon, Comment ça se passe? Tu viens ou... Faut que je la tire par les cheveux ou... Mamie? Ah! Voilà! Ah, pas aller en forme, hein! Bon, en même temps, t'es morte, bon... voilà. Allez! En route, Dorothy! Non mais cette gueule! Oh là là! Attends, je ferme le congèle. Hop. Eh, ça se trouve en plus, tu peux même mettre tes pizzas dedans. Au frais, la petite binouse là, tu sais, quand tu travailles. Alors oui, je fais de l'humour, mais je vais pas rigoler, je pense. Je vais pas rigoler longtemps. Ah, oh, ça bouge! Regardez, ces petits pieds, ils bougent. Tu peux fermer les yeux, s'il te plaît, parce que j'ai l'impression que tes yeux sont ouverts ou ils sont fermés là, mémé? Hop là. Voilà. All right. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Comment ça je pourrais m'y mettre? Comment ça je pourrais m'y mettre? Ah mais moi j'ai signé pour être secrétaire, c'est tout. Hein. Ferme les portes ou... Voilà, je ferme les portes. Hein, Moi, je vais bloquer tous les démons, ils vont rester dans le couloir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très très loin de nous, il est là, il vient faire un petit coucou. Salut au jeu d'héros. J'espère que tu vas bien, mon héros. Comment ça va? Elle est plus très fraîche. Ah bah non, elle a des kilomètres au compteur, mais je vais te dire que celle-là, elle a connu au moins la signe Camille. Hein. Bon, par contre, jeune, elle devait être gaulée quand même. Hein, parce que bon, elle a une sacrée paire de poumons. Heureusement que l'air est gratuit. Ok, le bloc-notes. Alors, porte-bloc. Un porte-bloc accueillant les formulaires et servant à tenir un suivi de tâches des pompes funèbres. Grand objet. Waouh, c'est un grand objet. Alors, voir le porte-document. Ok. Non, Dorothy Page, 87 ans. Ouais, hey, franchement... Je t'aurais donné 70, vraiment. Donc, tête, épaule, épaule gauche, bras, ok, genre machin. Hein. Notez toutes les marques distinctives, saisir les marques sur l'ordinateur. D'accord. Ok. Notez toutes les marques. Ah, il faut que je la tripote. Oh non. Non. Non, mais ça vous me l'aviez pas dit, ça. Faut vraiment tripoter le cadavre? C'est sérieux, ça? Ah. Inspectez un corps. Faites passer le curseur sur les particularités des corps, comme les grains de beauté, les égratignures et les blessures. Et les bleus. Pour interagir avec elles et les consigner sur le porte-bloc. Ouais... D'accord. Alors faire pivoter. Ah, il y a un truc là. Nananana. Oh, on a fait tourner le bras un peu fort. C'est une belle découverte pour toi, Ika. Ah bah j'aurais préféré quand même avoir une belle jeune fille, quoi. Ok, c'est un grain de beauté. C'est un grain de beauté qu'elle a sur la main. Et mon cul, c'est du poulet ou comment ça se passe? C'est pas un grain de beauté, ça, c'est une tâche démoniaque. Oh, les arpions. Le peton. Mais tes pieds, ils sont dégueulasses, madame. C'est quoi, c'est une mycose que t'as? C'est... Porte-bloc. Rougeur. These old windows never stay latched. Quoi? Quoi, la fenêtre, elle s'est fermée toute seule? Tout ça parce que je lui ai touché les pieds? C'est déjà pas évident pour elle. Tu me fumes. La pauvre. Vas-y, casse-lui la main. Tu devrais fermer toutes les lumières, Ika. Quoi? Fermer les lumières dans le jeu? Mais ça va pas ou quoi? Enfin, héros! Non, mais... Non, on peut éteindre les lumières? Non. Non. Je les ferme comme ça, il n'y a pas d'entité qui de truc chelou qui va rentrer. Attends. Voilà, j'ouvre la fenêtre. Hein? Cette fenêtre est ouverte, je viens de l'ouvrir. Alors, peut-on? Ok, je vois pas de... Faire pivoter? Ah oui, d'accord, faire pivoter, comme ça. Non, non, faire pivoter. Ah, je suis curieux de savoir ce qui va me marquer cette fois. Parce que ça, ça ressemble à une brûlure. Hein, D'accord. Les tétés? On peut faire pivoter les tétés? Ah! On la met en position latérale de sécurité. Voilà. Je vois rien de spécial dans le dos. Bah, t'as un trou dans ta culotte. Enfin, ta culotte, elle a... je crois qu'elle a le même âge que toi. Elle a 87 ans, ta culotte. L'élastique n'est plus étanche. Ok. Les épaules. Faire pivoter. Ah, là. Ok. Je te remets à ta place, hein, mémé. Hein, tranquille. Hein. Voilà. Non mais madame, ferme les yeux s'il te plaît. On peut pas lui mettre les doigts dans les yeux. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Ok. Madame, t'aurais pas eu le cou cassé par hasard parce que ta tête elle bouge très bizarrement. Mes héros. Attends, je sens que mon chum. Oh putain, je suis tellement pas bien. Je suis tellement pas bien. Ne la vexe pas, Ika. Elle aime pas ça. Méfie-toi, les cadavres, ça pète et ça rote. Alors, ne prenez pas... Enfin, ce que je vais vous dire, c'est que, effectivement, hein, les cadavres donc, génèrent du méthane. Donc, c'est pas impossible que ça arrive avec un cadavre. Hein. Madame, ton chat, il fait au moins 30 kilos pour t'avoir fait un truc pareil, là. Ou alors, c'est que t'as une fourchette XXL et tu sais pas manger et que tu t'es tué avec ta fourchette. Je crois que... Ok. Grain de beauté, gratinure à la tête. Contusion au bras gauche. Une contusion. Ouais, toi, tu te fous de ma gueule, toi. Non, mais ce cadre là-bas, là, il est flippant. Attends, l'ordinateur. Ah, on peut courir, nickel. Oui, bon, bah ça va. Pourquoi t'as une tête qui me revient pas, toi? Il y a un truc avec ce monsieur. Ok, pour accéder aux informations sur les cadavres, cliquez sur l'icône du système. Ah, what was that? Putain mais. I didn't say anything. You all right? Quoi? Yeah. Comment ça? Sorry. Non mais il y a quelqu'un qui a parlé là. Donc, pour accéder aux informations sur les cadavres, cliquez sur l'icône du système d'archivage. Pour ouvrir le programme, faites correspondre les sections de votre porte-bloc à celles sur l'ordinateur. Une fois toutes les informations saisies dans le système, cliquez sur Confirmer pour imprimer les dossiers d'embaumement, puis classer les archives à l'accueil pour commencer l'embaumement. Voilà. Alors, Dorothy. Oh! On peut pas écrire? C'est ma gueule ou quoi toi? Ah d'accord. Voilà. Voilà. Tête. Égratignure. Jambe gauche. Ah merde, jambe gauche. RAS. Jambe droite. Rougeur. Bras droit. Grain de beauté. Peut-être pas se foutre de ma gueule, hein. C'est pas un grain de beauté, c'est une tache démoniaque ça. Hop, contusion, voilà. Épaule gauche, RAS. Épaule droite, grain de mocheté, de beauté. Donc tac tac tac, on est bien. Jambe gauche, RAS. Tête égratignure, épaule gauche, RAS. Ok, confirmé. Nickel. Voilà. Ah waouh! Waouh, on a une super imprimante. Ok. Rapport d'embaumement des papiers des pompes funèbres en rapport avec le traitement des cadavres, les classer à l'accueil pour qu'ils soient disponibles en cas de besoin. Ok. Ah! J'ai marché dans quoi? Dans un truc radioactif ou c'est toi? C'est moi ou c'est toi? Si c'est mes pieds, chose au moins du 62. Je fais de l'humour, mais c'est vraiment pour me détendre. Ah, ma petite Senritsu. Bonsoir, ma petite Senritsu. Coucou, j'espère que tu as préparé le lot de couches. Mais vous voulez vraiment, en fait, que... Déjà, l'autre, quand il me parle, je fais des bonds de 15 mètres. Et on entend une voix, et le mec, il est derrière nous. Il est venu comme ça se trouve, nous chuchoter un truc à l'oreille, et il dit que c'est pas lui. Il y a un moment, faut pas faire de blague, quoi. Alors, tac. Rapport d'embaumement. C'est l'heure d'embaumer. Comment ça, c'est l'heure d'embaumer? J'ai tout préparé pour que tu viennes. Je t'observerai. Tout est écrit sur ta liste en cas de besoin. D'accord. Oh bordel. Récupérer le corps dans la chambre froide. Ok. Inspecter le corps pour identifier les marques. Ok. Fermer la mâchoire avec l'injecteur à aiguille et les aiguilles de fixation. Bon, mais un bout de scotch, c'est bon. Oh putain. Oh. Tu vas pas bien dormir ce soir, Eka. Ah ouais? Ah, c'est le tuto. D'accord. Ranger 1, lire. Ok. Donc, fermer la mâchoire avec l'injecteur à aiguille. L'injecteur à aiguille. C'est quoi l'injecteur à aiguille? Monsieur, pourquoi tu fermes les tiroirs? Ah, ils te disent pas ce que c'est les... Ah, d'accord. L'injecteur à aiguille. C'est quoi ça? Ah bah, voilà. Injecteur à aiguille. Un outil servant à enfoncer des aiguilles dans le crâne. Ok. Et ça, c'est... Alors, tab. Vous tenez les grands objets dans votre main. Si deux mains sont prises... Il vous faut lâcher un grand objet avant de pouvoir en saisir un autre. Les petits objets sont conservés dans vos poches. Sélectionnez un objet pour l'afficher. C'est pas très très... D'accord. Ok, ok. Visualisation d'objets. Après avoir sélectionné un objet, sa description s'affiche en dessous. Si un objet peut être lâché, un bouton lâché se trouvera sous la description de l'objet. D'accord. Injecteur à aiguille, un outil servant à enfoncer les aiguilles. Oui, bon, bah... non, je veux pas le lâcher. Madame. I'm missing something. Alors. Préparation du visage. Mettez le manipulateur en place et appuyez sur le bouton d'injection pour insérer les aiguilles dans le crâne. Puis... Tordez les fils pour fermer la mâchoire. Ah! Quelque chose m'échappe? Je peux pas utiliser ça ici? Ah bon? D'accord. I'm missing something. Ah, attends. Peut-être peut-être pas bien positionné. I'm missing something. Quelque chose m'échappe. Bah, j'ai envie de dire que... Ika, quand les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Voilà. Putain. Il vidait le crâne. Attends, peut-être qu'il faut prendre ça là. Permet d'injecter un fluide de cavité directement dans les organes. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Lingette hydratante. Bah, je crois qu'elle a plus besoin d'être hydratée, mais... Une lingette servant à hydrater la peau des cadavres. Grand objet. Non, c'est bon. Ok, ça c'est quoi? Ah, aiguille de fixation. Pointe avec une longueur de fil à utiliser avec un injecteur à aiguille pour refermer la mâchoire. Bah voilà. Ah, ah. Ouais. Uh-huh. Mais encore. Ah, 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 ah. Oh non, mais c'est dégueulasse. Oh non, c'est... Non. Pitié, quoi. Bon appétit, si jamais vous mangez. C'est bon, je lui ai fait fermer sa gueule. C'est bon. Alors, tac. Attends, c'était quoi la touche déjà? C'était quoi la touche? Voilà. Ok. Insérer des couvreuils pour maintenir les yeux fermés. Des couvreuils. D'accord. Il n'y a pas des écureuils, ça n'a rien à voir. Ok, des couvreuils. Couvreuils, d'accord, couvreuils. Ok, des couvreuils. Ça doit être ça. Tube en PVC, un tube flexible résistant servant à déverser les applications médicales. Hein. Oui, bon, ça va. Ok. Oui, d'accord. Lâcher, voilà. Ok, c'est pas ce que je veux. Ouais, ok, bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Pince à clamper, permet de saisir et de comprimer une artère. Ouais. Flex bag. Ah, eye caps. Couvreuil. On va te fermer tes yeux, madame. Alors, mise en position des couvreuils. Utilisez le manipulateur pour ouvrir complètement la paupière, interagir avec l'œil pour placer le capuchon, puis fermer l'œil. Ok. Voilà. Eh. À faire un petit clin d'œil. Oh là là. Allez, tac. Tac, voilà. C'est bon. On va fermer les yeux. Pince à clamper. Couvreuil. I can't use that here. Pince à clamper. I can't use that here. D'accord, ok. Ok. Et du coup? Hein, quoi? Hein? I can't use that here. Mais je fous de ma gueule, toi. Bah, madame. Tu veux pas qu'on joue avec tes yeux? Ah. Voilà. Attends, c'est que... pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas interagir avec? Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, c'est... Oh, oh là là. Voilà. Voilà. C'est dégueulasse. Une fois que tu as fini le tuto, ça va aller plus vite. Tu devrais grandir ta caméra pour qu'on puisse mieux te voir flipper. Ah, c'est trop petit, c'est trop petit pour vous? Ok, ok, ok. Attendez, bougez pas. Je vais arranger ça. Voilà. Ça vous va comme ça? Ça va? C'est mieux? Hein? Ça vous va? Merci, héros de... voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah! Non, pas lâcher, pas lâcher. C'était quoi déjà, putain? Il va falloir que je retienne les touches parce que... pocket, machin, hein. Alors, pince à clamper. Tube en PVC. D'accord. D'accord, ok, c'est ça. Hop. Ah! Et on peut mettre ce qu'on veut? Alors. Formaldéhyde. Une base de fluide artériel servant à raffiner, à raffermir et à préparer les tissus. Une base de fluide artériel servant à raffermir et à préserver les tissus. Live Lives. Humectant, un produit chimique qui renforce la rétention d'humidité. Oh, pas trop besoin d'être hydraté, mais quand même. Du méthanol. Ça, c'est bien. C'est bien le méthanol, c'est bien. Voilà. Un produit chimique et servant à retenir et formaldéhyde d'une solution en empêchant la polymération grand objet. D'accord. Putain, comment on fait pour faire apparaître son... Ah voilà, c'est ça. Tac. Mélanger le fluide d'embonnement dans la pompe. D'accord. GMH et F. GMAF. Ok. GMAF. GMAF. Non mais c'est bon, voilà. Ok. Ah mais ça par contre c'est casse-couille. Bah ça, hop. Voilà. Oh, on en fout partout par terre, c'est nickel. Ok, je prends ça. Ah putain de bordel de merde. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Mais tu te fous de ma gueule? J'ai failli la prendre en pleine tronche la bouteille. D'où les bouteilles se balancent dans la salle. Mais sérieusement, mais tu... Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi, hein? Avec tes yeux bizarres, là, hein, qui sentent le mensonge, hein? Hein? Toi, t'es au courant d'un truc. T'es pas clair, toi. T'es pas clair, hein? C'est parce que j'ai foutu le bordel, c'est ça? Après, tu peux le dire, hein. Du coup, il est passé où, le bordel que je devais prendre, là? Il est passé où le machin? Ah, je l'ai dans ma poche. Hop. Voilà. Donc, le méthanol. Le méthanol, je crois que c'est ça. Oui, voilà, nickel. Voilà. Après, c'était le machin à mes couilles, là. Voilà. Hop. Non mais si déjà il se passe des trucs chelous comme ça, voilà. Alors, ensuite, effectuer une incision dans la carotide. D'accord, il faut un scalpel. Vas-y, donne. Allez, carotide. Allez, viens là, que je t'ouvre en deux là. Allez, voilà. Oh là là, le mec. Le gameplay n'est pas évident à prendre en main au début, mais le jeu repose sur une mécanique d'habitude. Une fois que tu connais l'emplacement des objets et la chronologie de tes tâches, ça ira mieux. Pardon. Merci, merci mon Yoplay. Utilisation d'objets. Certains objets doivent être utilisés directement sur le corps. Pour utiliser un objet, ouvrez l'inventaire rapide et sélectionnez l'objet dont vous avez besoin. Ok. D'accord. C'était quoi ce bruit là? Utilisez la pince pour fixer le tube. La pince pour fixer le tube. Ok, la pince on l'a avec nous. D'accord. Hop. 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 Voilà. Ok. Le tube. Le tube. Il est où le tube? C'est pas ça là? Non, ça c'est la jetée d'argent, on s'en fout. Voilà, c'est ça. Le tube. Hop. Le you. YouTube. Ok. Tac, tac. Ok, mémé elle est branchée, c'est bon. Mémé à le câble, on est bien. Donc j'imagine qu'il va falloir allumer le bordel. Activer la pompe pour vider le corps. Bon appétit. Mais attends, mais où est-ce qu'elle met tout ça, mémé, là? Je crois que c'est bon, hein. Bon, bah, mémé, elle est vide, hein. Ok. Désactiver la pompe, retirer le tube et fermer l'incision. Bon, on a arrêté le bordel. Hop. Voilà, voilà. Hop là. Eh, on t'a fait une jolie cicatrice. Enfin, on a fait un truc propre. D'accord. Remplir une poche de transfusion vide avec du fluide de cavité. D'accord, une poche machin bidule. Ça doit être ça. Oui, c'est ça, nickel, on est bien. Tac, voilà, hop. Alors, remplir les cavités. Ah, j'ai eu peur, j'avais pas reconnu l'image. Qui veut de la sauce? C'est une boucherie. C'est de l'embaumement, c'est une boucanerie. Ouais, bah tu m'étonnes, ça doit pas sentir la rose. Remplir les cavités, insérer le trocard jusqu'à ce qu'il se bloque pour commencer l'injection de liquide d'embaumement. Une fois la cavité pleine, retirez le trocard, faites pivoter, puis réinsérez jusqu'à ce que la poche soit vide. Peut-être faire une incision, non? Et où le scalpel? C'est quoi ça? Non, la lingette, on s'en fout. Oui, bon, bah, t'es pas un peu chiant, toi, déjà? Il est où le scalpel? Ah voilà, le trocard. Hop. On va faire un petit truc. Hop. On va faire. On va te mettre un petit truc dans le bidou. Quelque chose t'échappe. Mais non, arrête. Ah si, apparemment quelque chose m'échappe. Putain, le scalpel, on l'a oublié dans ma vie ou quoi là? Il est barré où le scalpel? Avec quoi je vais l'ouvrir? Mais je vais pas l'ouvrir avec les dents quand même. Il y a d'autres scalpels? Non? Non, il n'y en a pas. Ah. Monsieur? Un couteau peut-être? Non, quelque chose pour ouvrir mémé? Écoute, attends. Remplir une poche de transfusion vide avec du fluide de cavité. D'accord. Fluide de cavité. Non, c'est pas ça, mais fluide de cavité. C'est ça? I can't use that here. Je le trouve où le bordel, moi? Fluide de cavité. Ah, d'accord. Hop. Ok. Oh, bah voilà, on a fait un petit trou tout seul. Ah. Oh. Hmm. Non, on en met des choses dans mémé, hein. There we go. Ok. Mélanger les nettoyants du placard. Quoi? Mélanger les nettoyants du placard de la salle de bain? Nettoyant de réservoir. Puis le verser dans la pompe d'embaumement. Mélanger le nettoyant du placard de la salle de bain. De la salle de bain? Vous pouvez pas le mettre à côté dans l'évier, non? Sans déconner. Coucou. Ah. À base de nettoiement, une solution inhibiteur de corrosion. Oh bah, ça, s'il y a un esprit qui arrive, je jette dans la gueule direct. Ajouter du détartrant pour créer le mélange permettant de nettoyer les machines d'embaumement. Grand objet. Ok. Ok. Et après, faut aller dans le... J'imagine qu'il faut aller dans le... Machin là-bas, là. Hein, quoi? Arrête de me regarder comme ça, toi. Je te jure, j'ai l'impression que ses mains, elles bougent. Voilà. Ça va, t'as pas trop mal aux jambes, monsieur? Voilà, voilà, voilà. On tourne le réservoir. Puis verser dans la pompe d'embaumement. Puis verser dans la pompe d'embaumement. Ah bah voilà. Ok, c'est fait. Appliquer... Ah, la lingette. La lingette. Elle est où la lingette? On l'a sur nous la lingette ou... Non, on l'a plus. La lingette pour mémé, faut hydrater mémé, c'est bon. Hop, mémé. Voilà, hydrater, faites passer la lingette sur le visage en maintenant la touche. Interaction jusqu'à ce que la solution soit épuisée. Voilà. Le petit nez. Ah! Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Oh, putain. La fenêtre? Comment ça, la fenêtre? Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Aros, comment vas-tu? Bienvenue. Bienvenue à toi sur le live. Tu n'as... Quoi? Tu n'as pas vu que tu avais quelqu'un qui te regardait par la fenêtre? Non, mais vous êtes sérieux, là? Cette fenêtre-là, là? Salut, mais je connais ce jeu, il est trop flippant. Arrêtez de me faire flipper avec des trucs comme ça. Déjà que là, je suis pas bien. Il y avait quelqu'un à cette fenêtre-là. Vraiment. Putain, mais j'ai rien vu. Tant mieux. Tant mieux. Non, mais c'est bien si je l'ai pas vu. Voilà. Tant mieux. Tiens, shit. Oui, bon, bah ça va. Non, mais toi, tes yeux, ils sont... Hein? Bon, je te laisse avec mémé. Hein. Amuse-toi bien. Hein. Allez, bisous. Allez. Moi, je me casse d'ici. Allez, vite. On se casse. Allez. Ok, on a complété le tuto. C'est bon, on peut arrêter le live. Oui, par cette fenêtre. Dans le coin en bas à gauche. On va te marcher, là. Il est parti. La fenêtre depuis, t'inquiète, il va revenir. Quoi? It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He's supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Apparemment, on a fait du bon boulot. Just not feeling too well. Eh, mais je suis pas ton assistante sociale, moi. Yeah. Are you sure? I mean, of course. Trois cadavres. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. Quoi, maintenant? See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Mais attends, mais la meuf, elle voit des trucs bizarres et elle est toute contente, quoi. Là, ça décolle. Tu viens de terminer l'introduction. GG, le jeu commence vraiment maintenant. Bonne chance. Alors par contre, le mec a posé un truc dans notre tiroir. Le mec s'est introduit chez nous, quoi. Ouais, des serviettes. The nice set people all day. Ok. Bonjour, ok, d'accord. Ta gueule, la radio. Non, mais t'as vu le temps de merde qu'il y a? Mort et décomposition. Un livre traitant en profondeur du processus de décomposition. C'est charmant. Tes lectures sont passionnantes, madame. Les clés? Clé de l'appartement, de la voiture et de la porte d'entrée. Ok, on va en avoir besoin. Alors, objets temporaires. Les objets temporaires n'occupent pas de place dans votre inventaire. Utilisez vos objets temporaires en interagissant directement avec les objets qui les requièrent. Ok. On n'avait pas un badge à prendre, une connerie comme ça, là? Ah, peut-être, c'est peut-être au boulot qu'il a mis... On peut pas faire un petit sandwich, là, avant d'y aller? Est-ce que je peux prendre un couteau? Non. Putain, on peut même pas se faire un petit truc à manger, quoi. Oh la vache, la photo de la daronne, quoi. Oh. n'y a pas de dinguerie, genre on regarde la photo, il est... Non, c'est bon. Attends. C'est pas la dame qu'on se... Non, non, non. Bon frisson dans le dos. Voilà pourquoi je t'ai demandé si tu avais préparé tes couches. Ça va être de pire en pire de façon crescendo. Oh putain. Si tu regardes ta VOD, tu verras que tu pouvais le voir à plusieurs reprises. Quand tu cherchais les différents outils qui se trouvaient sur le rebord de cette fenêtre. Non mais vous êtes sérieux? Tony Glandil. D'abord ça donne. D'accord. Ok. Donc là, en gros, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que là, on va bosser. Il est avec nous. Oui, oui, très sérieuse. Attendez. On est tout seul là dans le bordel? Il va y avoir que nous. Enfin, il va y avoir que moi. De 1 go. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ça? Ah, c'est un arbre. D'accord. Attends. J'ai entendu des... J'avais cru entendre des pas. Tu es tout seul, enfin presque. J'aime bien parce que dans le chat, oui, t'es tout seul. Enfin, pas tout à fait. Enfin, presque. Tout seul, enfin tout seul, si on veut. Merci, hein, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes à fond. Ok. Chérie, je suis rentré. Bon, je crois que je vais aller à l'arrière et m'y mettre. Ok. Putain de merde. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. Quoi? I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Ugh. Damn it, what the fuck? This is insane. Il y a un truc qui est passé. Il y a un truc qui est passé là. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Just play along and do your job. J'ai l'impression que c'est toujours quand c'est vraiment du coin de l'œil. Oh, toi, je peux pas te voir là. J'ai toujours cette impression que c'est ça en fait. C'est que quoi? Ah c'est un lampadaire. Ça va enchaîner sévère. Ika fait attention quand tu es rentré. Quoi? Ika fait attention quand tu es rentré. Il n'y a plus de retour en arrière. Bah c'est mignon de me le dire une fois que je suis à l'intérieur. Alors attendez, parce que là... Donc en fait, donc Raymond, notre patron, il sait des choses. Il sait des choses, il était au courant, puisque il y a eu clairement des manifestations genre poltergeist, hein, des trucs qui s'envolent et tout le bordel, des fenêtres qui se ferment, apparemment donc des apparitions. Et donc celui-ci est au courant donc qu'une potentielle entité serait attachée à nous et qu'il nous a envoyé donc sciemment, ici de nuit, toute seule. Je vais mourir. Ah oui, question. Yoplait, on peut mourir? Est-ce qu'on peut mourir? Est-ce qu'on peut se faire tuer? Vraie question. Oh là là, j'ai les mains, elles sont moites. Mais un truc de fou. Putain, vous vous rendez pas compte. Ok. Bon, alors, si entité il y a, tranquille. Vraiment. En plus, j'ai augmenté le niveau d'interaction avec les hantises. Je l'ai légèrement augmenté. J'aurais peut-être pas dû. Alors, il y a une boîte. Vieille clé. Clé du couloir. Magnétophone. Ok. C'est tout? Ah, on a un crayon. Ok. Ah. Ah. Non mais laisse-moi prendre le... Non mais... Un vieux fusible. On peut en prendre qu'un seul ? Ok. Clé du couloir. Je me casse de ce boulot dès demain. Faut quoi faire des trucs pareils. Vas-y, nique ta mère, je ferme la porte. On peut fermer la clé? Non? Ah! D'accord, on ne peut utiliser le truc qu'une fois, quoi. Putain! Ouais, ça va, j'arrive. I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn the demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Look, I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you, in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this had to happen. This is insane. Whatever. Just be the professional one, grab a body, and get started. Reste professionnel, mais nique-toi, mais je pète la fenêtre et je me tire direct. Petite cassette, une petite cassette où est inscrit système du poste de nuit. The night shift database, a computer program combining all my findings into one reference point. The database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. Okay. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. D'accord. Ok. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Ok. Ika le malaise. Je vous ai dit, hein, là ça va être compliqué. Donc, on a des listes de choses à faire et quand on ne sait pas trop, il faut réécouter les cassettes et apparemment pour vérifier si on est potentiellement en train de dérailler, il faut gribouiller sur un calepin. Le but est de trouver donc le nom de l'entité démoniaque et une fois que ça c'est fait, apparemment donc on a plusieurs objets qu'on peut utiliser et il faudra le cramer. Mais il faudra cramer l'entité, l'enfermer dans le bon corps et cramer le corps. Ok. Ça c'est quoi? D'accord. Yeah, screw all of whatever this is. I'm getting back to work. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Petite cassette. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet. Tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Okay. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. Voilà, c'est compliqué, hein. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. Quelque part dans la zone. So look on walls, under objects, inside furniture, anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them, so check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Oh bah, les étapes sont simples. Oh. Uncover the sigils, build the mark and place it. Putain, bah, non mais Then, when you're certain, burn it in the return. On peut pas faire le truc du crucifix, un petit Ave Maria ou je sais pas quoi là. On lui enfonce le crucifix dans le fiac et puis on le jette dans le feu, non? Tout ça à faire. D'accord. Donc il y a 4 trucs. Oh, il y a des symboles que je reconnais. Ok. Réactif funeste. Un flacon liquide. D'accord. Ok. Allez, je choisis un corps et je m'y mets. Turbo. C'est quoi cette turbo? You know what? Screw this. I'm calling the police. Ah! D'accord. J'ai littéralement... mais... des frissons qui sont... Oh là 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 là, putain. Allez, let's go. Bon déjà, le petit bloc-notes là. Allez. Hop, ça là. Papier et crayon peuvent permettre de déterminer l'infestation... Ok. Allez, let's go. Je ferme derrière moi, hein, parce que ça va, c'est bon 5 minutes. Hop. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces particules là? Il neige ou quoi dans la maison? Attends, ça y était tout à l'heure ça? Attends, je suis en train d'halluciner ou... Ah, c'est peut-être la poussière ambiante. Allez, hop. Allez, au boulot. Alors, Camilla Baumette. Inconnu. Shaun Douglas. Elysia Shaw. Ok. Donc ça va être notre truc de la rédemption quoi. Ça marche pas. Ça marche pas ta merde là. On prend qui? Allez, je voulais choisir. Je voulais choisir. Plus tu mets de temps, plus tu es possédé et plus tu as des visions. Ah, c'est super, merci. Alors, on prend qui? On prend Elysia, Shawn ou Camilla. Allez, choisissez. Attendez, je fais pause. Comme ça, le temps ne défile pas. Enfin, j'espère. J'espère. On prend qui? Ouais, parce qu'après tout, hein, comme ça, si je me plante, c'est de votre faute. On prend qui? Camilla, Shawn ou Davy Crockett? Ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Shawn? On prend Shawn? Alors attendez, on va faire un truc. On va faire un truc. Voilà, comme ça, vous participez. Hein. Donc on avait dit qu'il y avait... alors, Shawn. Je crois que c'est... Ouais, voilà. Ça s'écrit comme ça. Camilla. Voilà. Et l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. On va l'appeler l'autre. Voilà. Un. Deux. Ou trois. Allez. Let's go. Voilà. Vous choisissez. Le petit sondage. Et moi, je vais me faire chauffer, une tasse de café là parce que... Putain, je suis tellement pas bien. Mais vraiment, je suis tellement pas bien. Pas bien, mais vraiment. Alors on va regarder Ika sur froide, ouais clairement. Ok, vous voulez que ce soit chaud. Et on accueille notre petite Ondine. Bonsoir Ondine, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir. On n'est pas bien. Enfin, je suis en PLS actuellement. Je suis en PLS. Allez, je mets fin au sondage. Donc, vous avez choisi. Ce sera donc Shawn. À 100%. Voilà. Vous voulez... voilà. 4 personnes ont voté. Enfin, vous êtes 12. Vous auriez pu faire un effort quand même. Hein, Putain. Donc, je vais prendre mon petit café. Hein. La comment ça s'appelle? Le cheminement pour le... Pour comment ça s'appelle? Pour chasser le démon et tout ça, ça m'a l'air un peu complexe quand même la première fois. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a énormément de choses à assimiler. Tu bois du café en capsule ou en cafetière classique? Ça dépend en fait, ça dépend. Là, normalement, je dois recevoir une cafetière italienne. Alors attention, pas une Bodum, hein. Une vraie cafetière italienne, à piston. C'est ma petite maman et ma petite soeur qui m'envoient ça. Donc ça, c'est le top du top. Voilà. Même un expresso, même un percolateur, ça ne te fait pas du café comme ça. Allez. Je tiens à m'excuser d'avoir délaissé tes lives, mon ami Ika. Tu es tellement brave, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on dit ne t'excuse pas, il n'y a pas de problème. On a toutes et tous une vie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Oui, bah, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Bon, donc on va prendre Shaun. Allez, c'est parti. On va essayer d'être détendu, parce que là, franchement, je suis heureuse de vous voir ce soir. Bah écoute, on est... moi, je suis content de vous avoir avec moi, puisque de toute façon, vous êtes venu me voir souffrir. Et c'est déjà bien parti pour quelques petites conneries, donc j'ose même pas imaginer ce qui va me tomber sur le coin de la gueule. Ok, allez, on reprend. Donc, on avait dit, on prend Shaun. Shaun le mouton. Il est là. Allez! Ah, merde! Attends, j'ai pas été chercher le bordel. Ah, j'ai oublié le machin. Hop. En plus, on y va en marche arrière. C'est le truc que je déteste. Je déteste être obligé de devoir marcher comme ça là. Et de devoir y aller à la wall again, quoi. Allez hop. Voilà. Hop. Allez. On y va, Gadjo. Alors. Allez. Hop. Attends, j'ai pas refermé ton frigo. Hop là. Oh là là, ça pèse une tonne le bordel là. Voilà, ah, puis tu te mets bien la gueule dans le frigo, normal. Allez. Oh, t'as l'air bien con toi. T'as l'air vraiment bien... Voilà. Allez, au boulot. Allez, bon. Ah, j'ai pas mon bloc. Allez, hop. Alors. Ok, donc il faut l'observer. Allez, on va commencer à observer. C'est parti. Hop. Alors, ils ont dit que des fois ça pouvait être subtil. Donc on va essayer de regarder un petit peu. Ce Mortuary est un jeu costaud. C'est super gentil, ça me touche le cœur. Juste un conseil, si tu veux boire ton café, fais une pause et bois ton café. Ne laisse pas tourner le jeu en le buvant, autrement tu risques de ne pas boire beaucoup de café, mais mettre sur ton PC. Je suis pas bien en ce moment, des soucis du quotidien. Bah, j'espère que ça va aller. Donc il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Enfin, je vois pas de... À part le fait qu'il ait les yeux un peu rougis, je vois pas de marque potentielle. Ok. La tête, il n'y a rien. Hop ! Putain de merde ! Hello ? Oh ! Tout à l'heure, on avait dans le tiroir des, comment ça s'appelle, des disjoncteurs. Ne me dites pas qu'on va se retrouver dans le noir total et qu'il va aller falloir mettre les fusibles dans le bordel. Bonjour Shaun, Sagittaire. Je préfère lui rappeler, je le connais, il en serait capable. Mais quand on met pause, le jeu se met en pause, on est d'accord. Il y a des jeux qui prennent les nerfs et celui-là est un exemple. Ok, merci les enfants. Merci, c'est super sympa. J'ai envie de dire que j'ai encore une bonne idée. T'es pas franchement la chips la plus croustillante du paquet. Voilà. Putain. Là, si ma petite soeur m'avait envoyé la montre avec le BPM, je vous garantis que... Là, mon cœur, il bat très fort. Il bat vraiment très fort. Bon, j'ai l'impression que Shaun est un petit marrant. Oui, non, 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 non. Allez, on fait le boulot. Allez, faire pivoter. Bon, déjà, il a la varicelle. Ok. Les pieds. De toute façon, quand il y a quelque chose, tu peux faire pivoter. Ah. Ok. Faire pivoter. Mais je suis désolé, ils ont tous cette espèce de marque. C'est pas un grain de beauté, ça. Faut arrêter de me prendre pour un con. Ok. Ok. Faire pivoter. Ah! Ok. Voilà. Attends, les épaules. C'est pas un bobo ça sur son épaule là? Il a pas un truc là? On dirait qu'il a une marque là. Faire pivoter. Ah! Mais si, mais ça on l'a déjà relevé. Non d'accord, c'est juste que t'as une peau de merde et que t'as pas dû voir souvent un dermatologue. D'accord, donc il faut mettre ensuite les informations dans le PC. Ok, système d'archivage, ça on a bien compris comment ça fonctionne. Alors, le nom. Hop là, l'âge. Ok, ça c'est bon. Épaule gauche, il avait des rougeurs. Voilà, épaule droite, il n'y a rien. Bras droit. Kératolyse. Enfin, on apprend des mots. Ce soir, je vous en prends des mots. Hein, voilà. Surtout, laisse le slip, merci. Oh bah. Quand même. Vous voulez qu'on regarde ce qu'il y a dedans? Bras gauche. Bras gauche. Grain de beauté. Non, 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 non. J'ai rien entendu, il n'y a personne. Bras droit. Voilà. Jambe droite, il n'y avait rien. Et jambe gauche. La tête, il n'y a rien. Donc, on est bon. Voilà. Donc, on récupère, on a dit, le document. Et on va le mettre dans le bureau. Voilà, on va le mettre dans le dossier. Rapport d'un moment, des papiers des pompes funèbres. Oui, 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 on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. T'inquiète, pas de problème. Allez. Allez, tu restes là, hein, tu fais pas le con. Allez, hop, on y va. Ils ont dit qu'il fallait se dépêcher. Merde. Putain, c'était où? Voilà. Voilà. Allez, c'est l'heure d'embaumer. Hop. Voilà. J'arrive, j'arrive mon lapin, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez, on va s'occuper de toi comme il faut. Donc, le bloc-notes. Alors, récupérer le corps, c'est fait. Inspecter le corps, c'est fait. Fermer la mâchoire, machin, gna gna gna. Ok. C'est où le bordel? On peut pas avoir un peu plus de lumière, s'il vous plaît, là? Hein? Ah, c'est là-dedans. Voilà. Donc, il fallait ça. Injecteur à aiguille. Voilà. Ok. Et il fallait donc des aiguilles. Voilà. Ok. Allez. Hop, au boulot. Allez. Voilà. Oh là, t'as une gueule. Hop. Voilà, déjà, tu pourras pas parler. Si jamais t'es possédé du cul, tu pourras rien dire. Hop. Voilà. Allez. Hop. Comme ça, tu fermes ta bouche. Nickel. Ça, c'est fait. Alors, insérer les couvre-yeux pour maintenir les yeux fermés. Les couvre-yeux, ça va être dans quoi? Ça va être là-dedans? Non, ça, c'est le scalpel. D'accord. Non. Ok, c'est pas ça. Ah, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Allez. Allez, hop. Non. Faut mettre le petit bordel. Tac, voilà. Ouvre ton œil. Voilà. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Ouais. Non mais c'est pas le moment d'appeler le téléphone là. Enfin voyons, je suis occupé là. Attends, le téléphone? Mais le téléphone il marche pas. Hello? Hello, Rebecca? Rebecca? What the... Quoi? Bref. Mélanger le fluide d'embaumement dans la pompe. Alors, GMHF. Attends. Réactif dans la vieille armoire. Réactif dans la vieille armoire. C'est quoi la vieille armoire? C'est ça la vieille armoire? Carte d'accès. Ok. Oh la gueule sur la photo quoi. Merci. Qu'est-ce que... D'accord. Putain on est... Ah c'est nous ça. D'accord. C'est quoi la vieille armoire? C'est ça? Oui c'est ça. Donc on avait dit. Donc le machin, gna gna gna, hop on ouvre. Hop, le glu-glu machin. Donc le glu-glu il sera ici. Ça c'est quoi ça? Non c'est la poche de transfusion. Le glu-glu il est là. Ça c'est quoi? Non ça c'est le F. Putain mais on y voit comme à travers une pelle. Quoi? Agent de blanchissement? Non on s'en fout. Oh, mais on n'y voit rien. Ils sont où les autres produits? Ah. Ça c'est quoi? Le H. Eh. La porte, les portes sont ouvertes. Eh mais vraiment? Oh, il y en a qui travaillent là. Mais dis donc. Ils sont où les autres Ok, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Bah attends, ils sont où les autres produits? Il manque des produits là. Le méthanol, il est où le méthanol? Quoi? Le méthanol, il est où? Non. Non. Non plus. Ben. C'est quoi ça? On peut pas interagir avec, ça non plus. Ça c'est le gligli machin. Ah c'est peut-être ça. Oui voilà le méthanol. Allez. Hop le méthanol. Tac. Voilà. Eh, c'est fini ce bordel là. Oh. Non mais c'est pas possible, on peut même pas travailler tranquillement. Le H machin mes couilles. Voilà, c'est bon. Hop. D'accord, on a un esprit qui est à part... Oh putain de bordel. Eh, tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? On travaille ici. Ah, je peux pas fermer la porte. Eh, tu crois quand même pas que je vais venir t'ouvrir la porte? Je peux continuer à travailler ou non? Faut que je fasse quoi là? Salut Red Games, on accueille Red Games dans un moment un peu particulier. Fouille partout. On est obligé là parce que l'autre elle va me saouler si elle doit gueuler. Bon qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est bon? Tu vas la fermer ta gueule? Non mais dis donc. Notez que j'étais courageux. J'étais courageux. J'ai été lui faire fermer sa gueule. Et le fifou mouzat. Voilà, le fifou mouzat. Je donne des noms rigolos hein, pour me détendre un peu. Ok. Donc ensuite, on ferme ça. Ah non, il faut lui mettre le tuyau dans le cucu là. Ça c'est quoi? C'était là je crois. Oui voilà, ça. Voilà, le trocard, hop. Non, le tuyau. C'est quoi ça? Non, c'est les lingettes. On peut se baisser? Oui. D'accord, il y a un code. C'est quoi ça? Le tube en PVC. Voilà, le tube en PVC. Hop. Ah, le trocard. D'accord, ok, c'est pas ça. Attends. Ah oui, le scalpel, il est là-dedans. Hop là. Hop. Ok, hop là. Allez. Et alors ici, on va te faire un joli sourire. Pourquoi je peux pas... Ah, le scalpel. Quoi? Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Alors attends. Je ferme parce que sinon ça va être le bordel. Là, incision. Ok, hein? Attends. Effectuer une incision dans la carotide. Ah oui, je crois qu'il faut se mettre. Faut se mettre à côté de lui. Enfin, ici, comme ça, là. Tac, non? Non? Là? Bah. Ah, monsieur, il faut que je t'ouvre. Eh, c'est fini ce bordel là? Ouais, il y en a qui bossent, hein. Effectuer une incision dans la carotide. Réactif dans la vieille armoire. C'est quoi? C'est une étape en plus? Réactif dans la vieille armoire. Ah, faut mélanger, faut la mettre en route. Comment tu l'allumes? Bah. Attends, qu'est-ce que je comprends plus là? Mélanger le fluide d'embonnement dans la pompe. Bah c'est bon, on a tout mis. Y a un truc que je comprends pas. Quoi? Y a un truc que je comprends pas là. Alors ça va, on dîne, ça va. Faute d'avoir peur d'être surprise. Ah quoi? Bah oui, c'est... Enfin bon, j'espère que tu vas bien mon petit Red Games, hein. T'arrives au pire moment. Sachant que je vais tourner de l'œil. Mais non, ça va. Petite nature, Ondine. La chaîne du frisson. Enfin voyons, évidemment, Ondine, la chaîne du frisson. Le produit dans la salle de bain. Ah. Ah ouais, pas bête. Alors désolé, hein, je découvre hein, en même temps. Hein. Mais c'est pas pour après ça. Ah, je peux rien porter d'autre. Merde. Mais attends, il fallait pas utiliser le tube là? That's not it. Non, d'accord. Tac. Ok. Mais il me semblait qu'il fallait juste mettre les... Eh, ça va 5 minutes là. Je pensais qu'il fallait juste mettre les... Non, bah non, c'est pas ça. Alors je suis désolé, hein, je suis un peu... I can't use that here. I can't use that here. Ah, le trocard peut-être. Attends, parce que j'aime pas laisser les portes ouvertes. Hop. I can't use that here. I can't use that here. I can't use that here. Attends, je comprends pas. Est-ce que c'est parce que j'ai sauté une étape que ça marche pas? Mélanger le fluide d'embonnement dans la pompe. Bah ouais, il n'y a pas 150 pompes. Ne te fous pas de ma gueule non plus. Bah, je peux pas l'allumer. Pourquoi je peux pas l'allumer? Non, c'est pas le produit dans la salle de bain. Bah merde, je comprends pas. That's not it. That's not it, that's not it, that's not it. I can't hold anything else. Ah mais tu casses les couilles. I can't use that here. Pourquoi je peux pas l'allumer? Qu'est-ce que j'oublie comme étape là? That's not it. Qu'est-ce que j'oublie comme étape? Bah non mais là ça va prendre des plombs là. I can't use that here. I can't use that here. Tu as mis le produit qu'il y a sur les étagères à gauche de la salle. À gauche de la salle? Quoi? Bah j'ai pris tous les... Eh vos gueules! Oh! Mélangez le fluide d'embaumement dans la pompe. Ah, attends, c'est ça, je crois. That's not it. Non. Eh, mais oh. Ah, il faut peut-être le bidon. Oh putain, c'est casse-couille. That's not it. Putain, je me souviens plus. Je me souviens plus. C'est reparti son teuf. Ouais, clairement. That's not it. Alors, c'est quoi? Mélanger le fluide d'embaumement dans la pompe. passe... Non, c'est pas ça. Ça, c'est le truc pour nettoyer. Donc ça, c'est quand on veut nettoyer. Nettoyant, on s'en fout. On n'est pas rendu, les enfants. Pourquoi elle s'enclenche pas? On a mis tous les produits dedans. Mélanger le fluide d'embaumement dans la pompe. Le fluide d'embaumement? Attends. Ça se trouve, il y a un autre produit qu'on doit utiliser. Ça, non. C'est quoi ça? Je sais pas. Ça non plus, ça non. Ok. Ça, c'est le tube en plastique. Peut-être utilisé comme fluide hein, pour réduire la visibilité de la peau jaunâtre. On s'en bat les couilles de ça. Eh, commence pas toi. Une base de fluide artériel servant à raffermir et à préserver les tissus. Y'a personne! Là, s'il y a quelqu'un qui connaît bien le jeu, je veux bien un petit coup de pouce là parce que je comprends pas, parce que je ne fais pas bien. Ça, c'est les lingettes, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai zappé là? Non, là, ici, c'est que pour contrôler les trucs, machin. Ok. Ah, attends. La pince à clamper, c'est pas ça? Oh putain! Ah, mais il te manque le réactif. Mais le... Oui, mais le... Le réactif. C'est ça peut-être? Peut-être utilisé comme fluide hein, pour réduire la visibilité des peaux jaunâtres. Non, on s'en bat les couilles. Ça, non, c'est l'un des produits qu'on met. Hein. Ça, non plus, c'est l'un des produits. C'est le glyco, machin, mes couilles. Ça, c'est l'humectant, machin, gna gna gna. Ah, ça peut être que l'un de ces produits-là, là. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors. Tac, tac, hop. Non, c'est le méthanol. C'est le méthanol et ça fait partie de... Le glycol, eh bien... Réactif dans la vieille armoire. La vieille armoire? Mais c'est quoi que t'appelles la vieille armoire, espèce de con? Ah, c'est peut-être ça? Non. Ça, c'est le truc... Putain, mais... Non... Non plus. C'est quoi ça? Non mais c'est pas ça. Non, ça c'est bien le, c'est bien ce que je pense. Réparateur de tissu, ça va donner une meilleure apparence à la peau fine ou abîmée. C'est peut-être ça, le réactif. Non, je crois que ça s'appelle... Non, oh, je sais pas. Oh putain. Je sais pas ce que je dois faire. Ah, je suis désolé, mais là, c'est un peu compliqué pour moi, là. Je vois pas l'étape que j'ai sautée, en fait. Ah, puis ça a l'air d'aller bien. On commence à avoir trouble, c'est nickel. Si c'était le réactif funeste, t'es sûr de ton coup là? Ça doit être ça, c'était marqué réactif fluide. La bouteille bleue là, ça? Non. Mais non, ça fait partie des trucs que tu mets quand t'es sûr que... Ouais, tu sais quoi, on va essayer, on va voir. Hein. Ok. Là, on va être tellement possédé du cul. Ça va être infâme. Et on ne pourra pas en vouloir à l'entité, hein. On ne pourra pas lui en vouloir. Fallait pas faire une petite incision là ou je sais pas quoi là. Voilà. Allez. Hop, on t'ouvre. Voilà, nickel. Retour. I can't use that here. I can't use that here. Utiliser la pince pour fixer le tube. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi toi? Utiliser la pince, effectuer l'incision de 1. Utiliser la pince pour fixer le tube aux deux veines et connecter la pompe d'embonnement. Bah disons, tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule toi par hasard? Voilà. Ensuite, voilà. Ok, donc là, le glou. Allez, bon appétit. Hein. Alors, désolé, hein, je découvre et j'ai un peu de mal. Je pensais pas que c'était le fluide funeste. C'était pas ça tout à l'heure dans le... Dans le tuto qu'on a fait, ça portait un autre nom. Bon là, clairement, il faut se dire qu'on a perdu. On a perdu. Ok, c'est bon, t'es tout vite, t'es tout propre. Nickel. Allez, on enlève tout ça. Hop. Voilà. Allez. Voilà, on fait un joli petit machin, gna gna gna. Ok. Tac, remplir une poche. Ah voilà, c'est là où il faut aller dans le bordel. Là. Il faut aller dans le bordel. Il est où le machin là? Non, ça c'est le tube. Ça c'est le démaquillant, mes couilles machin. Ah c'est ça je crois. Voilà, c'est la poche. Voilà, on va aller là-bas. Ah, nique ta mère! Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Pardon, hein, les noms d'oiseaux, ils vont partir tout seuls. Hein. Je ne me contrôle pas quand c'est comme ça. T'en ferais bien ta sonnerie? On peut pas être tranquille, décidément. Non mais, t'as vu ça, Red Games? Non mais... Oh là 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 là. Eh, je vais te mettre un pied-bouche, toi. Hein. Ah ah. Ah, ça c'est casse-couille par contre. Comment ça, je peux pas... Je peux plus rien porter, tu te fous de la gueule du monde ou quoi, toi? Ah, c'est peut-être le trocard qui... C'est peut-être le trocard qui nous empêche de... Voilà. Oh, m'a fait flipper la connasse. Mais t'es sérieux? Il y a un moment quand même, faut peut-être arrêter. Ah d'accord. Mais non, mais j'en ai besoin de ça. Ah non, 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 je fais de la merde. Je fais de la merde. C'est bon, je sais pourquoi. Je sais pas. Putain, je me suis fait peur tout seul. C'est bon. C'est la machine qui est juste là en fait. Bon, par contre, nique-toi toi avec ta porte là. Voilà. Ok, le trocard. Voilà. Hop là. Ah! Eh, la famille Adam, ça, vous allez vous détendre. J'en peux plus. Perso, j'aurais démissionné de cette foutue morgue. Parce que, à force, c'est toi qui vas devenir le mec à autopsier. Bon, les fantômes, ça suffit maintenant. Ika, il a pas le temps. Oui. Voilà. Écoutez Sagittaire, s'il vous plaît. Hein? Écoutez Sagittaire. Il y en a des choses à enlever là-dedans. Voilà. C'est bon, t'es content? Nickel. Mélanger les nettoyants du placard. Voilà. Ok. Et il va falloir arrêter les démons là, hein, parce que ça va 5 minutes. Hein. Voilà. Voilà. Je veux bien être gentil, mais franchement, vous abusez là. Hein. Il y en a au moins, ils sont au moins 17 là-dedans, quoi. C'est pas possible. Non. Monsieur, s'il te plaît. On n'a pas le petit gribouillis là? Bon, qu'est-ce que tu veux? T'es là et t'es là-bas. Tu peux pas être ici et là-bas. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me dire quelque chose? Eh ouais, bah j'ai fermé la porte. Ok. Voilà. Voilà, tac. Voilà. Non mais... Vraiment? Il faut arrêter, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Je suis pas bien, je suis en... Ah, c'est la machine qui s'arrête, ok. Du coup, tac. Ah, ah voilà, la petite lingette. La petite lingette. Voilà. Hop là. Voilà, la petite lingette. On va te faire tout beau. Voilà, regarde. On y va doucement. Voilà. Voilà, sur ton petit nez, le petit menton. Voilà. Nickel, tu es magnifique. Toi de toute beauté. Ramener le corps à la chambre froide. Non. Non, parce qu'il faut que j'aille en marche arrière. Donc non. Voilà. Ok. Allez, on y va. Vraiment? Faut arrêter, hein. Faut arrêter avec ça. Hein. Et puis, j'aimerais bien qu'on laisse les lumières allumées, s'il vous plaît. Il est où l'interrupteur là-dedans là? On y voit comme à travers une pelle. Il est où l'interrupteur? Non, il y a bien un interrupteur là-dedans. Quoi? Comment je fais, moi? Hein? Comment je fais pour emmener monsieur si on peut pas y aller normalement, quoi? Alors attends. Il faut que j'essaye de manœuvrer parce que c'est pas évident. Voilà. Ah, on passe à travers les textures, rien à foutre. Voilà. Moi j'y vais comme ça, j'y vais pas en marche arrière. Non mais, s'il te plaît. Non mais, vraiment? T'es en train de me dire qu'on peut pas y aller comme ça? Qu'on est obligé d'y aller en marche arrière? C'est une blague, j'espère. Oui, bon bah ça va. Oh, c'est abusé, on est obligé d'y aller en marche arrière. Je sens qu'Ika va crier dans 3, 2, 1. Moi j'aimerais qu'on allume la lumière. Comment voulez-vous qu'on y voit quelque chose? On n'y voit rien. Allez, il est où l'interrupteur ici? Il y a bien un interrupteur quelque part. Voilà. Non mais, vous vous rendez compte, ce pauvre homme? Hein? Hein, lui il a rien demandé, hein. Enfin, j'imagine. Ah putain, on peut pas passer. Ça fait chier. Non mais, sérieusement. Mais non mais. Je voudrais choper le brancard, s'il vous plaît. Non mais, vraiment. Oh putain, mais c'est pas vrai. Non mais, il fallait faire tout ça. Non mais, putain mais. Alors, hop, comme ça. Tac, voilà. On ouvre. Hop là, on sort le truc. Voilà. On se met là. Je suis désolé, monsieur, hein, vraiment, toutes mes confuses. Allez, allez, voilà, bonne nuit. Non, j'ai dit bonne nuit. Allez. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Voilà. Je crois que c'est tout. Oh putain, faut se retaper une autre. Donc lui, c'est ok. Allez, Elias. Non, 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 on va prendre une bonne femme, tiens. Voilà, les bonhommes, ils font un peu flipper. Allez. On va ouvrir la porte déjà pour commencer. Voilà, Camilla. Oh, Camilla, je sens que toi, Camilla... Toi, je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. Allez. Voilà, nickel. Voilà. Que bonita. Voilà. Attends. Je ferme parce que bon, après, le frigo ne sera pas aussi frais qu'il le faut. Voilà. Dis donc, que bonita, madame. Voilà. Installe-toi confortablement. Nique ta mère. Voilà, on va te faire foutre. Ok. Donc, madame. Il est temps d'inspecter, madame. Et toi, là-bas, là, reste bien là-bas. Hein. Ok. Alors, madame, bonjour. Oh. Bon, bah, apparemment, t'es une copine de mamie. Hein, tu t'es pris une... J'imagine que c'est pas une bifle qui t'a fait ça. Quoi, j'ai dit ça à haute voix, moi? J'ai dit ça à haute voix. Adeline, salut. T'arrives au pire moment. Voilà. Cette bonne vieille Camilla. Mais oui, évidemment, Camilla tire la langue. Hein, Ok, donc ça, c'est bon. Puisqu'on a relevé qu'il y avait une... donc elle s'est fait ça avec une fourchette. Hein, on l'avait compris. Avec une fourchette. D'accord. Hop, voilà. Elle a des verrues. Elle est dégueulasse. Ah, elle a pas son petit grain de beauté. Elle, hein, voilà. Elle a pas son petit grain de beauté. Hein. Voilà. Fais péter ta main. Ah, elle a pas le grain de beauté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur tes papes? Mais qu'est-ce que... Putain, mais c'est dégueulasse. Vous êtes des... Mais vraiment, comment vous faites pour être pourri comme ça, là? Ah, c'est quoi, ça? D'accord. On peut pas faire tourner... Putain, ces orteils, c'est pas des orteils, c'est des knackis. Non, je crois qu'on avait regardé, hein, la main. Ouais, voilà, ok. On va te retourner. Tu te calmes, hein, je te retourne, ne fais pas la conne. Ne te casse pas la gueule. Ah, hop, une petite tache. Voilà. Ok. On va regarder de l'autre côté. Allez. C'est parce que je touche les tétés que ça fait ça? Non? D'accord. Hein, quoi? Madame? Faut revenir. Madame? Madame? J'ai pas fini. Madame? T'es pas franchement la chips la plus croustillante du paquet. Faut revenir. Comment on fait notre boulot si les cadavres se barrent? On fait comment? On fait comment? Non mais vraiment. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, en tout cas, le jeu est cool, mais... Voilà. Petit choc, Camilla. Ah bah oui, hein, Ah oui, pour un jeu qui sort de l'ordinaire, il sort clairement, ouais. Les morts ne savent plus se tenir de nos jours, nous dit Red Games. Mais non, mais vraiment, c'est vraiment une espèce de mal élevé. Hein. Alors, eh ben, je vais rentrer les informations. Voilà, puisque de toute façon... Ah, entrée 2, d'accord. Hop. Voilà. Camilla Parker Ball. Voilà. Oh, elle a 20 ans. Ouais, c'est pour ça qu'elle est un peu... Alors, la tête. Égratignure, contusion à l'épaule droite, imperfection au bras droit. Voilà, imperfection, c'est juste que t'es dégueulasse. Bras gauche, il n'y a rien. Ok. Jambe droite, il n'y a rien. Jambe gauche. Et Magnon. Je sais pas ce que c'est. À la jambe gauche. Voilà. Et je crois que c'est bon, on check la tête, l'épaule droite, le bras droit, et la jambe gauche. Donc normalement, on n'a que 4 trucs, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ok. Camilla, tu peux revenir s'il te plaît? Non mais... Camilla, c'est pas gentil, hein. C'est vraiment. J'espère que quand je vais revenir, tu seras remis en place, hein. D'accord? Allez, je te dis à tout à l'heure, hein. Ne me saute pas à la gueule. Mais vous foutez de moi. Hein. Non mais vraiment, Camilla, non mais Camilla, c'est pas drôle. Camilla, c'est pas bien de faire ça, hein. Tu es vilaine, tu es une vilaine fille. Arrêtez d'éteindre les lumières. C'est pas possible quand même. Vous travaillez chez UDF ou quoi là? Allez, non, je vais pas au bon endroit. Ok. Voilà. On n'avait pas un truc là pour gribouiller? Comment on fait pour gribouiller sur le... Sur le papier? Comment on fait? On avait un petit carnet. Ça c'est... Ah voilà. On peut le comparer avec, avec des notes. Enfin avec les notes qu'il y a là-bas. Alors attends, hop, je referme la porte, voilà, hop. C'est bon, vous arrêtez de faire les cons? Ok, merci. Du coup... Alors, moi je voudrais checker... Alors ça fait un rond avec une espèce de... Un rond avec une espèce de... Truc bizarre là. Un rond avec un truc bizarre. Moi ça me fait penser à ça là. Hein. Ça me fait penser à ça. Ok. Ça me fait penser à ça. Vous en pensez quoi? C'est pour vers ça ici, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça ressemble un peu à ça. Je vois pas d'autres symboles qui pourraient correspondre. Prendre la marque. Bon, on verra bien. Ok, bon. Allez, c'est parti pour le petit check-out. Allez, let's go, on y va. Allez, fais-moi ton plus gros sourire. Quelque chose m'échappe? Oh, bah, si avec ça. Hop. Ah oui, il faut le... Qu'est-ce que je viens de voir passer en haut de l'écran? Il y a un truc qui est passé là. T'as lâché une caisse, Camilla? T'as lâché une caisse. Voilà, allez. Le plus beau des sourires. C'est parti. Voilà. Alors il y a certaines étapes qu'on commence à maîtriser plus ou moins. Déjà l'inspection, machin, tout ça, c'est ok. Allez. Voilà. Ensuite. Voilà, les trucs pour les petits yeux. Les trucs pour les petits yeux. Ça, c'est les lingettes. Les trucs pour les petits yeux. Je crois que c'est là-dedans. Ça, c'est le scalpel. Ça, c'est pour... les petits yeux. Voilà, les petits yeux. Allez, les petits yeux, madame. Allez, on ouvre grand les yeux. Le petit... Hop, le petit machin. Allez, a fait un clin d'œil en plus. Voilà. Ok, tac. Ensuite, mélanger le fluide d'embauchement dans la pompe. Attends. Voilà, ça. Voilà. Alors ensuite, le gli-gli-gli. Non, ça c'est pas le gli-gli-gli. Le gli-gli, il est là, je crois. Non, c'est pas le gli-gli. Le gli-gli... C'est pas le gli-gli... Eh, c'est fini ce bordel. Je suis en train de bosser, hein. Le gli-gli... Voilà, le gli-gli, il est là. Le gli-gli, il est là. Hop. Je m'en bats les couilles de ce que tu fais dans le couloir. Vraiment. What? Hein? Y'a personne. Y'a un téléphone là-dedans? Putain, il faut le trouver le téléphone. Ah. Oui. Ah. Ok. Je fais quoi là? Je m'en vais? I'm missing something. Quoi? Merde, j'ai pas capté ce que je devais faire. Attends, il doit y avoir un truc. Ah. Quitte. Sérieusement, avec des licornes dessus, nique-toi. Ok. Appelez un plombier. Ah. You did this to me. It's all your fault. Oh putain de merde. Quoi? J'en profite un peu pour vous lire parce que là, ce jeu, psychologiquement, est épuisant. Pour les gens qui sont un peu... je peux regarder des centaines de films d'horreur d'affilée, il n'y a pas de problème. Je vais plus me prendre des barres qu'autre chose. Là, le jeu me met pas bien. Alors, viens voir. Ce jeu me donne trop envie, celui-là. Il est dans ma liste des jeux que je vais m'acheter. Bah, je te le recommande, Adeline. Voilà. Je te le recommande. Je te le recommande. Sachant que ça se passe jamais de la... Hein, selon, tu prends les corps un peu comme tu veux, il y en a trois, tu prends qui tu veux, et ça se passera jamais de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, je suis allé dans options, et dans les options, tu as la possibilité, alors ça c'est contrôle, machin, nanana, setting, gna gna gna, c'est avant de lancer le jeu, tu peux augmenter, tu as une barre, et tu peux augmenter, si tu veux, comment ça s'appelle, la férocité des apparitions. De base, il est assez bas. On l'a monté un petit peu. Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Donc, voilà. Clairement. Sagittaire, un peu de respect pour les tétés. Oh bah, oui. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est que je pense qu'elle a pas aimé qu'on lui tripote les tétés. Hein, on a fait des, ça faisait des bruits bizarres, donc je me suis dit, c'est un peu étrange quand même. C'est un peu étrange. Adeline, il est à 97% de personnes qui ont aimé ce jeu. Il a un très très bon ratio. Il est bien noté. Et apparemment, bon, déjà, il a eu beaucoup de... Entre le moment où il est sorti, je ne sais pas exactement quand il est sorti, mais apparemment il y a eu pas mal de... Il y a eu une ou deux upgrades. Et déjà le jeu est en français, enfin sous-titré français. Et l'affichage est en français. Je crois que Yoplait lui l'avait fait en anglais, je crois. Non, non, c'est pas tu penses, c'est je te confirme. Je te confirme. Vraiment, je te confirme que... Il m'a fait gueuler quelques fois. Hein. Il m'a fait gueuler quelques fois. Et apparemment, il y a des choses que je n'ai pas vues, que le chat a vues. Hein. Voilà. En général, la fin de la première partie est pas top vu qu'on apprend comment fonctionne le jeu. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un peu normal. Quand on a loupé des étapes, on savait pas trop comment faire le truc. Et apparemment, plus tu es rapide, mieux c'est. Bon, bah nous, on a perdu un petit peu de temps. On était là comme un couillon à chercher des trucs. Bon. Ah, ça, c'est bien. Moi qui ai du mal à... Toi qui as du mal à sursauter. Honnêtement, Adeline, si je pouvais, je te l'offrirais juste pour te voir sauter dans ton fauteuil. Vraiment. Vraiment. Je te jure que si j'ai l'occasion, je te l'offre. Je t'offre le jeu. Si j'ai l'occasion, si ce mois-ci c'est pas trop la merde, voilà. Allez, j'ai besoin de me fumer une petite clope quand même là. Allez, je coupe la cam, je me fais une petite clope. Hop. Il faudrait que j'attribue une touche sur mon stream deck pour être tranquille avec la cam. Et pour les transitions aussi, ça serait bien. Ça serait bien. Mais ouais, c'est... Je savais que j'allais prendre cher. Hein. Et dans ma tête, c'était... Ika, quand les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Ah là. Je le savais, hein, je le savais. Mais bon, vous, à partir du moment où ça vous fait marrer, et que vous passez un bon moment, c'est... Je suis prêt à souffrir pour vous sans problème. Je suis prêt à souffrir pour vous si ça peut vous faire plaisir. En plus, j'en avais parlé, je vous ai dit, je vous ai demandé si ça vous hypait. Vous m'avez dit oui, 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 fais-le, fais-le, fais-le. Je l'ai pris et je me suis, voilà, me suis tenu à faire le jeu. Maintenant, je ne sais pas, comme disait Yoplay, justement, il y a plusieurs fins possibles. Et c'est selon comment ça se passe, selon ton efficacité quand tu vas faire le jeu. J'imagine que si tu dois refaire le jeu pour voir d'autres fins, je pense que le jeu sera moins impactant. Pour moi, là, concrètement, là, mon cœur bat très fort. Il a du mal à redescendre. J'ai le rythme cardiaque qui doit être assez élevé quand même. Tu aimes souffrir. Tu aimes ça souffrir, Rika, hein? Si c'est pour vous. Si c'est pour vous. D'ailleurs, j'en profite. Vous le savez, ladies and gentlemen, cette année, du 26 au 29 octobre, aura lieu donc le GameStream Heroes en direct sur Twitch et sur YouTube. Donc moi, vous pourrez me retrouver et sur ma chaîne et sur la chaîne principale aussi du GameStream Heroes pour animer les émissions principales, hein, avec notamment tous les jours, il y aura une matinale où je vous recevrai, on parlera, on aura des invités, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé, voilà. Donc il y aura tous les jours une petite matinale. Il y aura évidemment le fameux quiz. Et les événements principaux, hein, les challenges et les petites compétitions du GameStream Heroes. Donc voilà. Mais je serai principalement sur ma chaîne. Je vais vous proposer de faire avec moi lors d'un live. Ce sera un live chill, vraiment, hein, où on ne fera pas de jeux vidéo à proprement parler. On fera les donation goals. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser de participer à la création de mes donation goals pour cette année? Sachant que l'année dernière, malheureusement, YouTube est tombé en PLS et que j'ai pas pu streamer autant que je voulais. Cette année, croyez-moi, vous allez la voir ma gueule lors du GameStream Heroes. Hein. Puisque j'aurai ma cagnotte perso avec mes donation goals à atteindre et la cagnotte principale. Donc si vous voulez qu'on réalise les donation goals, eh ben, vous aurez la cagnotte pour les donation goals et la cagnotte bah justement pour après donner directement pour la cagnotte générale. Sachant que les donation goals, s'ils sont réalisés, vont directement dans la cagnotte générale aussi, forcément. Pourquoi pas, nous dit Sagittaire. Sachant que j'en ai déjà un en tête, et là je prends de très très gros risques, mais je n'ai qu'une seule parole et je le ferai. Il va y avoir dans les 10 propositions, parce qu'il y aura 10 donation goals à atteindre, le dernier, je peux déjà vous le donner. Je me fais littéralement, et je m'engage aujourd'hui devant vous, je le dis. N'hésitez pas à faire un petit clip, vous le pouvez, hein, vous pouvez faire un petit clip. Je me fais tatouer les initiales de la personne qui fera le plus gros don sur ma cagnotte perso. Bon, je le fais pas en gros, hein. Ça sera certainement sur un poignet ou un truc comme ça, mais je ferai ce petit tatouage là. On fera un petit truc tout mignon, tout cute. Voilà, donc le plus gros don qui sera fait sur ma cagnotte perso, eh bien, je me ferai tatouer les initiales de la personne. Alors, s'il s'appelle Patrick Dupont, je suis dans la merde. T'es dans la merde, j'annonce, nous dit Outsiders. Et Outsiders, tu te cotises avec Tara et nickel. Je fais un MA et on est bien. Bon, allez, je remets la cam parce que on peut pas ne pas faire ce jeu sans la cam. Voilà. Allez, on continue. Hop. Donc, on a mis les réactifs, le glu-glu, le mémé. Attends, je vais fermer la porte parce que je sens qu'il va y avoir encore une dinguerie. La porte. C'est pas Versailles ici. Oh putain. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh putain. Est-ce que quelqu'un peut allumer la lumière? T'es toujours là, toi? Ouais. Faut arrêter les conneries, hein. Faut arrêter de faire ce genre de truc. Hein. Alors, ça, c'est le H. C'est le H. Mais c'est le méthanol qu'il nous faut. Le méthanol, le méthanol, le méthanol. Ça, c'est le glu-glu. Ça, c'est le feu-feu. Le méthanol, je crois qu'il est là. Voilà, le méthanol. Hop. Voilà. Hop. Et le jeu est bien conçu pour te faire bien tourner dans la pièce. Pour bien te faire flipper. Voilà, le H et le F après. Ça. Ok. Hop. Et l'autre, il est là, je crois. Voilà. Hop. Tac. Tac. Ok. Donc, oula, on commence à avoir trouble. Ah oui, attends, on va gribouiller sur le machin là. Sur le calepin. Il est où le calepin? Ah, le calepin il est dans le couloir, je crois. Voilà, hop. Voilà. Oui, j'ai entendu le boom là. Ah. Il est où le calepin? Ah, non, le calepin... Eh oh, ça va bien, oui? C'est fini, ce bordel? Le calepin, le calepin. Voilà. Ah. Ok, on va aller voir, on va aller voir ce que c'est. Comment on fait pour sortir? On va aller voir ce que c'est. Hop. Alors, un rond bien vénère avec une espèce de X chelou. Ouais. Sachant qu'ils ont dit que la marque pouvait apparaître... Mais pour le coup, je trouve pas que ce soit... Merde. Je trouve pas que ce soit très pertinent. Ça ressemble pas à grand chose, hein. Une espèce de S avec une barre. Ah, peut-être ça. Peut-être ça. Peut-être ça. Ok. Donc, on en était où? Ça c'est fait, hein. L'incision, la carotide. Hop, le scalpel. Allez, le scalpel. Non. Désolé, hein, voilà, je vais un peu te charcuter, madame. Je suis désolé. Voilà. Donc ça, ok, c'est bon. Utiliser la pince pour fixer le tube. Est-ce qu'on l'a la pince sur nous? Oh là là, ça refait des bruits bizarres. Ah, mais nique ta mère, toi! Non. 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 Non, je te laisse pas rentrer. Mais va mourir. Non, non, bah non, en fait non, je t'aime pas. Je préfère papy. Ah, tu vas faire quoi là? Hein? Eh bah t'avais qu'à prendre une veste. Bah voyons, je m'en bats les couilles de toi. Rien à foutre. Ah. Je peux travailler. Alors toi-même, déjà pour commencer, et effectivement je préfère papy, voilà. Espèce de taré. Ok. La pince. C'est fait. Le tuyau. Le tuyau. Voilà, le tuyau. Le tuyau. Voilà. Voilà. Bon, ça, on commence à maîtriser un peu plus. On met la machine en route. Commence à pas être bien, hein. J'ai l'impression qu'à chaque fois que ça se floute, c'est qu'on commence un peu à perdre les pédales, hein. Voilà, on vide cette charmante demoiselle, hein. Non, la phrase ça va pas. On vide cette charmante demoiselle. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Tu es toute vide. Ok, donc il faut tout enlever maintenant. Hop, alors, on enlève, on referme. Hein, quoi? Même pas une petite cicatrice? Putain, on fait du travail d'orfèvre. Alors, ensuite. Remplir une poche de machin, gna gna. Ah oui, remplir la poche. La poche, c'est là. La poche, c'est là. Tac, voilà. Hop. Hop, voilà. Ah putain, mais madame. Oh. Bah. Ça va? T'es pas fait mal? Ah parce que bon, t'as quand même pas mal volé quoi. Oui, il me faut le trocard. Le trocard, le trocard, le trocard. Non, le trocard il est là. Ok. Hop, allez, dans le bidou. C'est un peu sexuel, hein. Voilà. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Elle en a dans le ventre. Putain, Sagittaire. Bon, j'applaudis quand même. J'applaudis quand même. J'applaudis quand même. J'applaudis. J'applaudis. Madame, c'est un peu vide. Ah, voilà. Voilà. Allez. On te met ce qu'il faut. On t'a littéralement tout mis. Voilà. Allez, encore un petit coup. Voilà. Une bonne fifi. Voilà. Ok. Ok, il faut aller chercher le machin, là, le nettoyant. Ok, normalement c'est bon. On va chercher le nettoyant. Hop. Non mais vraiment. Hein? Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Hop. J'arrive. Hein, j'arrive. Hop. Ah oui, il faut le mettre dans la bécane. Voilà, tac. Ok. On laisse la machine se nettoyer, tranquille. Comme ça, tac, j'en profite un peu pour fumer ma clope en même temps pendant que ça se fait, hein, tranquillement. Voilà. Hop là. Voilà, normalement... C'est tout bon. Alors, je remets... Voilà, la petite canne, tac, ok. Le nettoyant, c'est fait. Appliquer... Ah oui, la petite lingette, la petite lingette, voilà, la petite lingette. J'arrive. Allez, on te fait ça bien. Voilà, regardez-moi ça. Hop. Voilà. Voilà. Nickel. Alors, attends. Hop. Voilà. Et ramener le corps dans la chambre froide. Ok. Déconnez pas là-bas, hein. Hein, vous faites pas les cons. J'arrive. Allez. Hop, allez, on y va. Voilà. Alors, normalement, elle, elle va ici, je crois. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Et donc, il nous reste plus que... lui, c'est fait. Elysia. Voilà. Elysia. Allez. J'aurais préféré une femme. Hein. Voilà. C'est pas contre toi, hein, mais... toi, déjà, t'as une gueule qui me revient. Tu ressembles un peu à Shaun, monsieur. Un peu quand même. Hein. Attends. Hop. Voilà. Hop. Hop là. Allez, on y va. C'est parti, mon rang. En avant. Ok. Allez. Next. Allez, c'est parti. Inspection. Bonjour, monsieur. Ah, tu es pas contre... Tu es pas contre... Quoi? Ah mais non, mais lui, Shaun, on l'a déjà... On s'est déjà occupé de lui. Mais non, il a la bouche ouverte et les yeux grands ouverts. Mais non. Alors, la tête, épaule droite, machin, non, non. Bon appétit. Bah oui, évidemment, bon appétit. Bah oui. Du coup... Bah, monsieur, je veux t'inspecter. Pourquoi je peux pas t'inspecter? Attends. Camilla. On a fait Shaun. Et ça c'est... Ah mais non, mais oui, mais Shaun, mais on l'a fait. C'est lui qu'il faut faire. Attends. Bah non, mais... Non, mais lui on l'a fait. Lui on l'a pas fait puisqu'il a les yeux ouverts et tout et tout et tout. Voilà. Alors attends. Peut-être qu'il faut se mettre là. Uh-huh. C'est le troisième corps. Oui c'est ça. C'est le troisième corps. Mais je comprends pas pourquoi je peux pas l'inspecter. Bah, c'est bizarre ça. Merde. Eh, c'est fini ce bordel. Eh, dis donc. Oh. Et le marteau piqueur là. C'est fini, oui. Pourquoi je peux pas l'inspecter? Ah, voilà. T'as bougé les pieds. Monsieur, t'as bougé les pieds. T'as bougé tes pétons. Oh putain, je m'en doutais. Hein? Quoi? Est-ce que tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Par hasard? Hein? Allez. Hop, il a un bobo. On tourne, il n'y a rien d'autre. Ok. Ça c'est fait. La tête, la tête. Et la tête. Et il y a des trucs dans le nez. Ok, il n'y a rien. Alors par contre ils disent que des fois il y a des trucs qui sont subtils. Mais je vois pas vraiment de subtilité en fait. Et il a deux oreilles? Non? Je te préviens, si tu me fais un sourire ou si tu me fais un clin d'œil, je t'en colle une. Non, je vois pas de... Parce que normalement il y a un petit truc avec une petite fumée qui apparaît. Ok, il n'y a rien. La tête, il y a Walou. Les tétés. Hop. Oh. Alors attends. On peut pas... On peut... Enfin, on peut pas... machin. Lui, c'est l'antéchrist. Hein, Lui, c'est clairement l'antéchrist. Voilà, le petit pied. Fais voir ta mimine. Il n'y a rien sur la mimine. D'accord. Allez, hop, on le pivote. Il a un petit bobo là. D'accord, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ok, allez, on rentre les infos. Alors. Donc la tête. Alors déjà, troisième. Hop, Elysia. 26 ans. C'est jeune. La tête. Il n'y a rien. C'est quoi ça pour l'interrogation? Ah, c'est d'accord, c'est didacticiel. On s'en fout. Donc épaule droite. Épaule droite. Voilà. Bras droit. Voilà. Jambe droite, voilà. Jambe gauche, il n'y a rien. Bras gauche, il n'y a rien. Épaule gauche, il n'y a rien. Donc lui, il n'a que 3 trucs. 1, 2, 3, ok. Ok. On va récupérer le document. Et attends, il n'y avait pas un... Je suis pas sûr que ce soit considéré comme un symbole. Reboxons. J'en peux plus. C'est pas moi, c'est lui aussi, là. Il fait le con, là. Allez. On récupère le document. On va le mettre à l'accueil. Voilà. Hop. Voilà. On ferme la porte. Non. Non, 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 non. Mais on te voit là, madame. On te voit. T'es discrète comme un camion, quoi. Ok. Allez, c'est parti. Donc, on a inspecté le corps. On a récupéré le corps. Gna, 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 gna. Fermez. Allez, on lui ferme sa gueule. Hop. Hop là. Allez, hop. Hop là. Allez, on connaît le bail maintenant. Allez, tac. Ah bah, t'es mignon comme ça, tiens. Allez, pim. Voilà. Hop. 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 Voilà, voilà. Ah. Voilà. Voilà. Hop, on te fait fermer ta gueule. Voilà. Tu as un beau sourire en plus. Les petits trucs à mirettes là. Les trucs à mirettes. Non. Voilà, les petits trucs. Les petits trucs à mirettes. Voilà. Hop. Allez, j'arrive. Allez, les petits yeux. On ouvre grand les yeux, s'il te plaît. On te met les pastilles. Voilà, les lentilles, c'est fait. Nickel. Allez, hop. Ensuite, voilà, le mélange machin, gna 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 gna. Le mélange gna gna gna. Hop là, voilà. Le réactif. Le gligli, donc, alors le gligli, il est là. Voilà, le gligli, hop. Tac, le gligli, le... Non, c'est le méthanol. Le méthanol, c'est ça, je crois. Voilà, c'est ça, le méthanol. Hop. Bon, ça va, on commence... c'est au troisième que ça va un peu mieux. C'était le méthanol... Enfin, le gligli, le méthanol, le humu... Gna gna, le humu... Gna gna gna. Voilà, tac, hop. Hop là, nickel. Et le dernier, c'est celui-là, je crois. Le fluflu. Voilà, le fluflu. Hop, le fluflu. Tac. Ok, on est bien. Ensuite, il faut les petits ciseaux, machin, gna gna gna. Hop. Ciseaux, machin, gna gna. Bonjour, monsieur. Hop. Ah oui, non, on a sauté une étape. Il faut le scalpel. Voilà, il faut lui faire une petite incision. Hop. Hop, la petite incision. Voilà, bonjour, monsieur, j'arrive. Bonjour, hop, faites-moi votre plus beau sourire. Voilà, hop là. Ok, tac. Ensuite, vu qu'on a le ciseau sur nous, hop, on fait ça, on fait ça. Je commence à voir des trucs bizarres. Hop. Ok, tout va bien. Le Toyo. Le Toyo, il est là. Hop. Tac, tac, hop. Hop là. Le Toyo. Voilà. C'est non. Il y a un moment, je suis en train de bosser. Je veux dire... À quel moment on se lève tous pour la nette? Je veux dire... Non. Non, 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 non. T'es pas franchement la chips la plus croustillante du paquet. Qu'est-ce que tu fais avec ta petite... Ça va? T'es pas fait mal? Monsieur? 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 Est-ce que tu peux revenir? Qu'on finisse, s'il te plaît. Ah, t'es peut-être parti dans le couloir. Et... Hop. Il faut que je repasse peut-être par là, peut-être. Hein? Ok. Ouais, pas de problème, ouais. Ouais. Ah, une petite porte. D'accord. Ok. Ah, peut-être par là. Si. Antidépresseur. Utilisé dans le traitement des troubles dépressifs et de l'anxiété. Rebecca Owen, 300 mg, une dose par jour au moment du repas. Oula. D'accord. Mais encore. Ok, on revient en arrière. Là peut-être. Ah. C'est un peu le bordel chez vous. Ah, il y a des clés. Hop là. Clé de l'aile à haut risque. Ça promet. Oh, ça promet. Clé de l'aile à haut risque. Donc j'imagine que c'est là-bas. Non, c'est la porte qu'on a vue là. Voilà, c'est par là. Tac, hop. 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 Salut. Ça va? Et si j'attends? Bon, je vois que... Oh, t'es un petit malin, toi. Oh, toi, t'es un petit coquin, toi. Ah! C'est nous? C'est quoi? C'est en fait, tu te demandes si... Toi, tu vas me faire une dinguerie, toi. Ah, il y a une note, là. Alors... Je me suis creusé la tête encore et encore pour trouver comment écrire ceci. J'ai jeté brouillon après brouillon, puis j'ai saisi, peu importe. Qui va me lire? Probablement une quelconque infirmière qui secoura la tête avant de passer son chemin. Un jour, quelqu'un pensera à moi pour la dernière fois, et je disparaîtrai à jamais. J'ai gâché moment après moment, je t'ai perdu par égoïsme, je ne t'ai jamais écouté, et tu en es morte. D'accord, donc on parle d'une femme. J'ai tout fichu en l'air, voilà la seule chose que je n'ai jamais accomplie. Je ne peux plus continuer, je ne veux plus rester ici à faire comme si je voulais devenir quelqu'un de meilleur. La vérité, c'est que j'ai abandonné. J'ai abandonné à l'instant où je t'ai tué. Je ne veux plus prendre part à tout ceci. Je ne veux plus faire souffrir qui que ce soit. Ah, pardonne-moi, grand-mère. D'accord, donc c'est mamie qui était à la fenêtre tout à l'heure, hein, qui nous a littéralement mis un pied-bouche en nous insultant de pétasse. Voilà, hein. Alors, pardonne-moi, grand-mère, j'ai essayé. Vraiment, je veux que tu saches que tu comptais plus que tout pour moi. Il ne me restait que toi. Tu étais mon monde. Tu méritais tellement mieux que de devoir t'inquiéter de ce que Rebecca s'inflige en ce moment. La vie se porte mieux sans moi. Je t'aime. Tout va bien se passer. Ok, d'accord. Si tu lis. D'accord. Si tu lis. Hein. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, encore. Il ne s'écoule pas un jour sans que je pense à toi. Des souvenirs jaillissent de mon esprit sans crier gare, me plongeant dans des moments de joie vite écrasés par une immense culpabilité. Rien de ce qu'il me donne n'y fait quoi que ce soit. J'ai toujours ton collier, c'est l'une des rares choses qu'on m'a laissé garder ici. Mais je ne sais pas si je pourrais tenir encore longtemps. Je vais le donner à grand-mère, à sa prochaine visite. Je veux tellement garder cette bride de toi avec moi, mais en même temps, j'en ai peur. Je ne le mérite pas. Quand j'étais petite, tu me disais de quoi? De t'enfiler ce collier tous les matins pour te réveiller. Il faut croire que les enfants aiment juste les choses qui brillent et embêter leurs parents. Je ne me rappelle plus vraiment, je me souviens juste qu'un bout d'une énième fois, tu étais agacé, mais je donnerais tout pour te passer ce collier autour du cou une dernière fois et te voir te réveiller. D'accord? Il y a une drôle de pause quand même pour une pendue. Hein. Ok. Je suis là à tenir ton jeton dans ma main, à me demander si j'aurais un jour le mien. Et puis même, à quoi bon, même si un jour je l'avais, peu importe le nombre d'années indiqué dessus, je tiendrai toujours le tien dans mon autre main, inchangé, à jamais coincé là. À me rappeler à jamais la vie que j'ai abrégée, alors que moi je vis toujours. Je peux pas supporter cette idée. D'accord? C'est une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a quoi dans la boîte? Qu'est-ce ici? Ah, on a un truc. Jeton 5 ans, le jeton de sobriété de mon père. D'accord. Donc son papa était un alcoolique. Ok. Mais encore. C'est tout? Bon, ça, il va y avoir une dinguerie. Hein. Je m'en doutais. You should have died when you had the chance. Ah, l'ombre derrière. Vous pouvez arrêter de me jeter comme un sac à merde par terre, s'il vous plaît? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Poche de crémation, une poche en plastique où sont placées les cendres des corps incinérés. Pas besoin. Enfin, du moins pour l'instant. Excuse-moi, excuse-moi copain. Vraiment, je suis désolé. Voilà. Donc on en était où? Alors attends. Oh, ça ne ressemble à rien. Alors un truc avec une petite maison, un triangle. Bah c'est le jeton de sobriété de son papa. D'accord, c'est le jeton de sobriété de son papa. Est-ce qu'on a un jeton de sobriété? Vous trouvez qu'il y a un truc qui ressemble? Bonne nuit tout le monde, Senritsu, bonne nuit mon papa Ikin. Enfin, si tu arrives à dormir comme il faut après ce jeu des bicous et tout plein de sucre là là. Des gros bisous à toi ma petite Senritsu. Merci d'être passé. T'inquiète pas, je pense à toi ma petite Lala. Je vois que le monsieur a changé d'avis, mort de rire. Lol. Tu veux que je t'arrache une dent sagittaire? Une dent? Mais putain mais... En médecine, c'est comme ça. Ah bah si on avait Ava avec nous, elle pourrait nous dire si c'est plutôt réaliste ou pas. Clairement, clairement. Donc une bonne nuit et un gros bisou à ma petite Senritsu. Donc je vous le rappelle, hein, Senritsu qui est ma décoratrice. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est ma décoratrice. Ok, donc il n'y a rien qui ressemble au jeton, je trouve. Est-ce que vous voyez un truc qui ressemble au jeton? Parce que ça fait un rond, un triangle avec trois petits trucs et un machin là. Vous voyez un truc qui ressemble? Moi je trouve pas. Je trouve pas moi. Je trouve pas qu'il y a un truc qui ressemble à ça. Ok, alors... Elle était ouverte la porte. Voilà. On commence à pas être bien. Hein. Est-ce que je peux lire mon document s'il vous plaît? Parce que là j'y vois comme à travers une pelle. S'il vous plaît. Hein? Oui? Oui? Merci. Donc machin, hein, on va activer le bordel. On vide le gazier. Pendant ce temps-là, j'en profite pour fumer ma clope. Voilà. Hein. Pendant que ça fout un bordel monstrueux. Voilà, voilà, voilà. Ah, il est bien plein, le monsieur. Hein. Ok, j'arrive. Voilà, ok. Tac, petite pause rapide. J'ai peut-être pas encore bien compris le coup des jetons et tout le tralala. C'est pas tout à fait... C'est comme dirait l'autre. C'est pas clair. Du coup, on enlève tout le bordel là. Voilà, tac, hop, voilà, on enlève, hop, on referme, hop, voilà. Pff, oh, on laisse même pas une trace quoi. Si c'est pas incroyable ce qu'on fait quand même. Du coup, tac, remplir la poche de blablabla. La poche de blablabla, la poche de blablabla, elle est là, hop là, merci, hop là, oui, je prends, tac, hop, oui, bon, bah, ça va ta gueule, tac, remplir la poche, et le 3/4, hop, voilà, hop, hop, allez, dans le bidou, allez, glouglou. Voilà, le glouglou. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Allez, je te mets tout. Tout. On te mettra tout dans le bidou. Nanana. Ok, here we go. Le mélange dans le placard. Hop. Allez. Hop là, le petit bordel là. Hop. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Allez, on y retourne. On ferme la porte. On met ça dans le bignou là. Hop. Tac. Tac. Voilà. On attend que ça se nettoie. Moi j'imagine franchement les gens qui font ça. Hein, j'imagine l'ami que je côtoyais en Charente-Maritime. Quand on la voit, on n'imagine pas une seconde qu'a fait ce métier-là. Appliquer la petite lingette. On n'a pas eu de dinguerie avec la lingette encore. Quand est-ce que ça va nous sauter à la gueule? Hein? Toi, je sens là, t'as un petit sourire malin là. Je sens que tu vas nous faire une connerie, toi. Je le sens bien. Voilà, comme ça, hop. Voilà, j'ai vu un truc passer au coin de l'écran, mais c'est pas grave. T'es sérieuse? Je t'ai vu! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? J'ai même pas eu peur. Quoi? Hein? Quoi? Ah bah si ça te fait marrer, écoute, tant mieux. Et ramener le corps à la chambre froide. Allez, on y va. Alors, je vais ouvrir la porte. Hop. Voilà. Allez, Jean-Eudes. On y go. Let's go. Et on emmène notre ami au frigo. Parce qu'il fait chaud. Alors attends, lui c'était... Voilà, lui il va là. Tac. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors du coup on fait comment? Parce qu'on a fait les 3 corps. Et après il se passe quoi quand on a fait les 3 corps? Hein? On est d'accord qu'il y avait 3 corps à faire. On a fait les 3 corps. Pourquoi on a encore un... Je comprends pas. Je comprends pas bien pourquoi on a les trois corps. Peut-être qu'il faut sortir. Ah bah voilà. On a bien travaillé. Allez. Allez, bisous, hein. Et puis je laisse la porte ouverte, t'as rien à foutre. Allez, salut. What? Hein? Pardon? What happened? Let me go. What are you doing? Quand je vous avais dit, il était pas clair lui. C'est le seul moyen, le quoi? Hein? Quoi? Ah, on est possédé quoi. On est possédé. Ok, let me in. Fail to the banish the demon. Bah oui, on n'a pas trouvé le démon. Donc pour cette première game, en tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce live. C'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Je vais rallumer la petite lumière. Voilà. Hop. Donc oui, c'était sûr et certain. On a mis beaucoup trop de temps. J'ai pas bien cerné les mécanismes du jeu encore. Maintenant, je sais comment procéder pour faire les autopsies, enfin pour faire la préparation du corps et tout ça. Voilà, ça devrait aller. Service terminé 0, nombre de possessions 1, démon banni 0, corps embaumé 3, corps brûlé 0. J'ai pas bien capté le truc. Bon. Vous le savez, on y retournera. Parce que je voudrais voir les fins. Il y a 6 fins différentes. Je voudrais voir toutes les fins. Alors, je ne vous reproposerai pas de le refaire samedi prochain. Mais pourquoi pas samedi de la semaine prochaine. Tout simplement. Puisque on vous proposera un autre jeu d'horreur, évidemment, pour samedi prochain. Et c'était bien cool. En tout cas, je me dis quelque part que... le jeu sera peut-être moins impactant, puisque même si les mécaniques vont être aléatoires, j'imagine qu'il n'y en a pas non plus 150 000. Après, je pense que l'effet de surprise ne sera peut-être plus le même. À voir, à voir. Donc, mais en tout cas, merci, merci à vous. Faut plusieurs runs avec ce type de jeu. Ouais, complètement, Adeline, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vraiment, il est très sympa et il fait le taf. J'ai fait des vrais bons quand même dans mon fauteuil. Il y a eu des trucs après vers la fin où on est moins surpris. Il faut brûler les corps. Alors oui, mais il y avait ce truc de jetons. On a remarqué que sur le dernier corps, il y avait des symboles. Je me dis qu'on aurait peut-être dû brûler le dernier en fait. Je pense qu'on aurait dû brûler le dernier parce qu'il avait des symboles qui n'apparaissaient pas donc dans la liste de comment ça s'appelle, de quand on fait le check en fait des marques et des blessures entre guillemets du personnage, enfin du cadavre. Il avait une croix inversée dans le dos et je crois qu'il en avait une autre quelque part. Donc on aurait peut-être dû brûler le dernier, mais c'est pareil. Il n'y avait pas forcément de symbole. J'ai pas bien encore capté les mécaniques. Mais un grand merci à vous d'être venus. On remercie la modération comme d'habitude. Merci Nat. Merci aussi à notre à l'ensemble de nos modérateurs et de nos modératrices, avec notre petit Outsiders qui était présent. Il faut surtout brûler le bon corps. Bah c'est ça le truc en fait, mais en fait Yoplait, ce qu'il y a c'est que j'ai un peu de mal avec, tu sais, la fameuse armoire, les symboles, ceci, cela. Je sais pas si j'étais sur la bonne voie, s'il fallait cumuler en fait les trucs. Je pense que c'est un symbole par corps, je crois. Hein. Je crois que c'est ça, c'est peut-être un symbole par corps. Maintenant il faut trouver le bon symbole, j'imagine. Faut utiliser le petit papier aussi. Peut-être que c'est peut-être ça aussi mon erreur, c'est que je n'ai peut-être pas utilisé les bons items quand il le fallait. C'est peut-être ça aussi. Bon, en même temps, c'était, je pense, hein, la première. Le dernier, oui, je pense aussi. Je pense que c'était le dernier. Peut-être que Yoplait pourra nous aiguiller. Je me dis que c'était peut-être potentiellement le dernier corps qu'il aurait fallu brûler. Des bonnes nuits en tout cas, nous dit Sagittaire. Bonne nuit à vous toutes, bonne nuit à vous tous. Merci d'avoir suivi le live. Bon, à chaque fois que je fais un jeu comme ça, forcément dans ma tête c'est un peu... Ika, quand les cons voleront, tu seras chef d'escadrille. Voilà, clairement, clairement. On les brûle tous. Bon bah, Onzine, je l'imagine avec un lance-flamme, elle, hein, clairement. Tu as énormément de lectures à faire dans le jeu. D'accord, peut-être qu'il aurait fallu que je consulte un peu plus l'ordinateur et le fichier de nuit. Aussi, on ne l'a pas consulté une seule fois. Je me dis que je m'attendais en fait à ce qu'on ait peut-être potentiellement au fait voilà, une petite direction, un élément qui nous fasse dire ok, il faut utiliser tel truc à tel moment peut-être. Bon, c'est pas très très grave. En tout cas, c'était sympa, c'était sympa. Et j'ai bien flippé, franchement, je le reconnais. Et par curiosité, je regarderai la rediff parce que apparemment, d'après le chat, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Donc voilà. Merci d'avoir été aussi nombreux, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller voir la chaîne des copains, des copines, hein, surtout Yoplait, également notre petit Red Games et aussi Adeline. Je suis passé faire un petit passage vite fait hier, mais c'est bon, comme je me levais à 3 h du matin, je me suis endormi comme une merde devant la télé. Donc voilà. Yes ordinateur, beaucoup d'explications à l'intérieur. Ok, merci, merci mon Yoplait. Je ferai en sorte d'être un petit peu plus alerte. Eh bien, pas samedi prochain, mais l'autre samedi. On retournera sur le jeu. On retournera sur le jeu forcément parce que j'ai envie de découvrir et j'ai envie de perfectionner un petit peu cette approche du jeu. Mais le jeu, je trouve, est bien réalisé quand même, même si c'est vrai que je trouve que ça aurait pu être peut-être un petit peu plus subtil dans son approche, puisque Raymond nous balance le truc à la gueule comme ça, direct quand on arrive à la première nuit. Ça aurait été peut-être un peu plus subtil, peut-être de la part des développeurs, de pas balancer le truc comme ça et d'avoir une espèce de montée en puissance, mais le jeu peut être très rapide, d'après ce que j'ai compris, ou très long, mais plus on va traîner et plus on a de chances de finir comme on l'a fini, c'est-à-dire enfermé dans une boîte et possédé. Donc, mais dans la tournure du scénario, j'aurais aimé que ça prenne peut-être un petit peu plus son temps pour justement laisser un peu planer le doute, le suspense, puisque ça va très très vite. Après, en même temps, c'est vrai que j'ai monté peut-être le taux de hantise peut-être un petit peu haut. J'aurais peut-être dû le laisser de base et ça aurait peut-être été un petit peu moins violent. Mais bon, voilà, il faut essayer, hein, pour découvrir, hein, tout simplement. Je vais vous souhaiter une bonne nuit à vous toutes, à vous tous. Comme d'habitude, merci pour votre fidélité et ça me touche de plus en plus. On est de plus en plus nombreux sur les lives. Donc c'est là. Ouais, je crois que c'était samedi dernier où on a pété notre record, hein. On était à peu près 16 ou 17 sur le live. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir. Peut-être le chiffre voilà, le chiffre qui va bien, la petite vingtaine. Allez savoir, hein, ça fera plaisir. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est que du jeu. Amusez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live et faites attention quand vous allez éteindre la lumière. On ne sait jamais ce qui traîne dans le noir. Ciao, c'était Ika.